Nickel. Bon, je sais plus si on a été bon sur le 2. Je sais plus. Je On a pense été que oui. excellent. Donc Voilà. c'est pour ça qu'on a une pression plutôt grande parce qu'il faut qu'on soit au moins aussi excellent que quand on avait joué aux deux. Du coup, c'est bon. Entraînement, très peu pour nous. Non, merci. Directement, l'histoire d'Hitman 3. Cinématique précédemment? Petit coup. Un petit coup, Petit on a coup. rien compris du scénario, hein. C'est parti. On se le met un petit coup. Vous m'avez fiché avec les alertes, vous allez comprendre l'anglais. Allez! Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. C'est les anti-masques? Providence's control. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Approaches Diana and makes faut réfléchir, voir plus non, loin que le bout de son nez. Ouais. Lis entre les lignes un peu. Learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, Lucas Gray. Oh. Je n'ai jamais eu connaissance de cette histoire. Je ne sais pas de quoi il parle. Destroy Providence. Together, they managed to capture the constant, forcing him to reveal the identities of the three. Le regard de Lucas Gray, c'est un anagramme de Joe Biden. Ce jeu n'est pas un jeu vidéo. However, the constant has an ace. Up his sleeve. Bah je pensais que ce serait plus long ouais, et avec plus d'images. Ouais voilà, je me suis dit on va avoir des vidéos et tout parce que il y a une image de Hitman avec une fille, je me suis dit bah on va aller voir. Bon. D'accord. Bah ça c'est ce Diane. Cas-là. Voilà, ça c'est l'agent 47 et ça c'est Diane, c'est tout ce que vous devez savoir. Hop, sur le toit du monde. Plan bien huilé. Ça met mal à l'aise déjà ce titre. C'est l'agent 47? Ah non, il a pas de tatouage dans le cou. Oh, il a des cheveux maintenant. Oh, c'est trop bien qu'il lui ait mis des cheveux. Mais non, mais c'est pas lui, il a pas de tatouage dans le cou. Je sais, je rigolais. Ah d'accord. J'essaie de rigoler, je sais pas ce que je fais. Je voulais trigger le chat aussi. Providence. Ouais, tu vois, je suis venu ici. Ouais, bien vu ça. To it, we were just assets to use and throw away, to do the unthinkable, the unforgivable, and it never gave us a second thought. Ça se trouve, il y a déjà plein de mecs dans la vraie vie qui se sont fait tatouer le code barre de l'agent 47. Oh, c'est sûr! Ah, ouais, alors ça. Et on dira rien sur ce choix, mais. Pas ouf. Moi je me suis fait tatouer le signe infini sur le poignet. Ah ça c'est... Mais j'aime bien parce que c'est... En vrai, on a beau dire c'est très profond. Bah mec, ça... excuse-moi mais ça veut tout dire. C'est très très deep. J'ai fait une lune sur... un croissant de lune sur l'épaule et des oiseaux qui s'envolent en haut du dos. C'est quoi le truc que tout le monde se fait à la nuque là? Pas une, une petite étoile. Il y a la lune, hein. La ouais. Lune, le croissant de lune, mec, à la nuque. Oh putain. Le classico. Hein. Je me suis tatoué dans le cou, allez tous vous faire enculer, parce que rien à la foutre. C'est Dubaï? On est en. Je sais plus où on est. C'est pas Dubaï. Donc c'est quoi? Je veux pas moi que tu que je te dise. Waouh! Laissez-nous jouer! Non, on était en Arabie Saoudite. Je crois. C'est Dubaï alors. D'accord. Mais qui regarde sur sa carte du monde où est-ce que c'est Dubaï? Alors. Laisse-moi deux secondes. D'accord. Bah, c'était moi une. Attends, finalement. C'est normal ça? C'est pas normal. C'est notre hélicoptère qui est revenu là? C'était moi une finalement. Ouais, genre. Non, ça vous fait pas paniquer ça, y'a pas de problème. Et donc là, on fait se prendre un hélicoptère. Ok. Ouais. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again, we'll keep track of her. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. Voilà, buter. The plan stays the same.
Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host. Oh, et est-ce qu'à la fin de la mission, on va sauter de la tour? Marcus Stuyvesant is fifth generation. Dis oui, puisque dis oui. Il y a un parachute dans le dos. And we're at one point the chief yes. landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe-spanning empire in all. Bah voilà quelqu'un de respectable. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming. So Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors. Vous avez peut-être pas les droits pour designer la vraie tour. Stuyvesant and Ingram are about to find. Attends, elle existe cette tour? Non. Bah, non, pas cette forme-là, mais la plus grande tour du monde, elle est belle. Ouais. This is our moment. Pas non, pas le droit. Surtout que là, c'est une tour de méchant. Ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return. Ah non, on tue Carl et Marcus. Happy hunting. Oh, mais je tuerai qui vous voudrez. Hein. Je voulais tuer la meuf là, mais tant pis. Très bien. Cible, Carl Ingram, Marcus. Oh la dégaine de Marcus, surtout Marcus. Hein. Hey, j'adore faire la fête et m'éclater. Sacré dégaine, franchement. c'est pas ouf. Attends, faut qu'on fasse la préparation. On n'y connaît rien. Non, non, c'est. On a quoi comme équipement? Bah là, on peut pas les prendre. Voilà. On a rien débloqué, on a objet de contrebande. Équipement. Corde de piano, pas mal pour prendre par derrière là, comme ça là. Une dégaine. C'est quoi une dégaine? C'est pour dénuder. Matériel d'escalade pouvant occasionnellement servir à étrangler une cible. Une boule de neige. Alors j'oserais pas la boule de neige. Python. Tu veux tuer quelqu'un? Non mais c'est méchant comme arme ça. Ah, c'est vraiment que des trucs d'escalade un peu. Il y a des trucs d'escalade. Ok, on va garder la corde de piano. La classique. Vas-y, la difficulté go. Professionnelle. Pourquoi? Oh là, oh là, oh là. Pourquoi? Oh pourquoi là. Détends-toi. Sauvegarde illimitée. Les intrigues sont disponibles, donc ça c'est bien. Non mais on peut pas changer? Si, on peut. Oh bah voilà. Mais en vrai... Parce qu'il y en a trois, donc ça c'est un peu le mode normal. Bah, mais normal alors. Tu vois, Terra, les combats sont difficiles, mais justes. Donc c'est le principal. Ok. Allez. On va vite passer en recrue. Faut garder bien, c'est pro, la c'est bien. Bon. Recrue, c'est trop facile, d'accord. Ah, mais on veut du challenge, hein, y a pas de problème. Hein. Welcome to Dubai, 47. Ah, c'est vraiment. Ah, tu vois, je t'ai dit que c'était à Dubaï. Today is the inauguration of the scepter. And the ceremony is well. Regarde, c'est que des influenceurs regarde. Snapchat ici. Tout, ouais, ça va à Dubaï en ce moment, les youtubeurs. Hein. Ouais. Oh bah. La technique, c'est d'emménager la moitié de l'année à Dubaï et l'autre moitié en France. Comme ça, bah, pas d'imposition en France. Allez, zou. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Il y a pas mal de vent, donc on va partir d'ici. Hein. Attends, moi, je me mettrais directement à quatre pattes et je marcherais lentement. Oh là. Le mec aime. Eh, Gérard, regarde. Ok. Moi, j'aurais été sur la grosse poutre. C'est bien, là. Oh non. Il veut pas. Interdit. Mais alors. On va se lâcher ici. Oh, mais ne te lâche pas comme ça. Mais c'est un malade mental. Complètement fou le mec. Hein. Oh, c'est beau. C'était très beau. Hein. On apprécie ce remake. J'ai pas tout mis au maximum pour que vous ayez une meilleure expérience, mais c'est beau. Oh, ah, on a des laveurs de carreaux. On a des couillasses. Escaladées alors. En même temps, t'as un parachute, donc au pire. Oh, à mon avis, tu te prends 2-3 barres en dessous. Ouais, bon, ça fait bing, mais. Oh, qu'est-ce qu'il m'a demandé? J'ai pas vu. Équiper l'appareil photo. Ok. Tu dois choisir avec entrée. Bon, je suppose que je l'ai fait. Et voilà, hacked. Ah. Pratique. Plus simple que Watch Dogs.
Aked. J'ai quoi d'autre? Oui, j'ai ma corde. Je prends ma corde. Ah non, mais attends. Comment j'ai fait pour clic gauche, tout simplement. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. If Ingram and Stuyvesant are alerted to our presence, we may lose them for good. D'accord. We are so close, 47. Franchement, j'aimerais aller plus vite, mais je peux pas. Non, mais c'est pour le dialogue. Ouais, ouais. Bon. Ça lag. Ça lag toujours ? Vous rigolez. Vous plaisantez. C'est revenu. Pas tous ces efforts réduits à néant pour rien. Parce qu'ici, il y a... Ici, il n'y a pas de lag, mais... C'est revenu, ok. Alors, je suis quel genre de personne ici? Je suis quelqu'un de respecté ou... Alors, t'es incognito, mais t'es pas non plus un VIP. Bah, tu vois, ce mec me dit que je suis très respectable, il m'indique la voie, je suis quelqu'un d'important. Il a dit quoi exactement? J'ai rien compris. Oh, petit verre de champagne, s'il vous plaît. Prends un cocktail, s'il vous plaît. Oh. T'as le droit? Okay. Non, t'as pas le droit. Apparemment, pas de cocktail pour vous, monsieur. Pas de champagne pour les chauves, on a compris. C'est ce que j'allais dire, genre vraiment, je vois pas quel genre de... Ouais, t'as l'air bien pas favorisé du tout, toi, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, j'ai pas fait le tuto, je voudrais juste avoir la touche pour la vision. Ta cible. La vision, vous savez. Eh bien, c'est Tab, finalement, toi. Non. Ah ouais? Attends, fais voir, c'est moi qui joue. Et j'aimerais aussi la touche pour ranger un outil. Contrôle. Voilà. Ah, ok, vas-y. Et là... Voir où est la cible. Il y en a une là. Et l'autre là-bas. Ici. D'accord. Et H pour ranger. Très bien. Tu pourrais quand même écouter le discours du chèque, mais bon, ok. Ouais, je suis un peu désolé. Vraiment, toilette, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant. Mais quand tu auras fini tous les petits fours et les trois coupes de champagne, tu diras pas ça. Ouais, ouais, je garde l'info. Alors ici. Ah, il y a une intrigue. Bon, je vais juste prendre son apparence en fait. Eh ben, on va être. J'ai oublié son nom. Vous voulez pas aller aux toilettes? Attends, appuie sur F1. Zana Kazim, aka The Vulture. One of the top agents working for Crystal Dawn, the Pan-African terrorist organization. Ouais, ouais, on choisit. En plus, on n'aura aucun problème, c'est quelqu'un de pas bien en plus. Attends, je comprends pas si là c'est sélectionné ou c'est pas sélectionné. Là, tu l'as sélectionné, je pense. Là, c'est bon. Ok, vas-y. Ok, on va voir. Déguisez-vous en Zana Kazem, dit le vautour. Le vautour. Oh, j'espère qu'il va aller aux toilettes là. Alors, tu vas où? Vas-y, ouais, d'accord. Sois pas gênant. Non, voilà. Non, je. Aucune gêne. Voilà, une distance de sécurité. Oh. Voilà. Oh, s'il y avait pas ces dames, je vous auriez vu le ciel. Oh. Attends, elle regarde peut-être pas. Et donc, en du vrai. Coup... Ah, oula! Oh! Vous avez pas vu elle? Je vais m'asseoir ici. Oh, des pièces de monnaie, vous permettez, madame? Oh, le mec, il est vraiment dans la plus haute tour de Dubaï, il prend des pièces. Le dos. Franchir, pas tout de suite. Et tu peux pas lui parler pour que. Oh, j'aimerais bien l'emmener dans ce petit coin là. Oh! Tournevis, je prends. Tu lui dis genre, hey, putain, vous avez pas envie de pisser vous aussi? Oh, cache-toi dans les feuillets. Je suis recherché. J'ai rien fait, j'ai activé la sono. Non, non, je crois que c'est lui qui cherche juste. Ouais, 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 ouais. Let's go. Oh les gars, désolé. Coupe la musique avant qu'un autre garde arrive. Ouais, attends. Oh, bien vu ça. Ok. Ok. Allez hop, je suis avant. Le vautour. Attends, ouais, ils veulent une fouille.
Ah, donc tu as le droit d'y aller, mais. Qu'est-ce que j'ai sur. Ah merde, en plus, j'ai en récupéré du poison, donc peut-être pas ouf d'avoir. Bah écoutez, j'ai juste une corde de piano, du poison, un tournevis, enfin, rien d'inhabituel pour. Je vais sauvegarder, et après, on va voir si. Hop. J'ai sauvegardé là ? Oui. Et je vais me faire fouiller. Ça se trouve, du poison, bon, écoute, c'est peut-être des médicaments, ils vont pas le voir, bon. Sans les cheveux, c'est crédible. Oh, écoutez, ça va. Il arrive avec les cheveux tout à l'heure. Oui, je suis chez le coiffeur. Allez-y, j'ai rien à me reprocher. Ouais, mais là, mais si, là, la poison, il va le voir. Je n'ai rien à me reprocher. Pas d'armes sur moi, seulement des médicaments et une corde de piano. Attends, moi, si j'avais du poison, à la place, je marquerais sur l'étiquette Guronzan. Et voilà, j'avais marqué Doliprane ou Guronzan, du coup, c'est bon. Attends. Ils m'ont fouillé, monsieur... et ils m'ont dit que tout était ok. Bah oui. Je me rends. Ouf. Non mais là, là ça ne va plus là. Allez hop, c'est bon. Putain, c'est pas ouf là. Fallait pas faire demi-tour, j'ai pas vu. Ah on, en fait c'est à dire qu'une fois que t'as franchi, il te tue si jamais tu fais demi-tour. Maintenant vous devez rentrer, c'est obligatoire. Ok bon, bah, on va le refaire. C'est comme dans le palais des glaces quand tu vas à la fête foraine, c'est intéressant. T'as sorti du poison dans les mains. Hop. Hey. T'as déjà fait demi-tour dans la queue d'un manège ? Non, mais je suppose que c'est pareil, tu dois te faire tuer par le forain si jamais tu fais. Oui. Vous êtes sûr ? Bon, merci. Parce que bon, vous m'aviez attaqué dans une précédente. Bon alors, où est-ce qu'on est ici ? Montrez-moi ma chambre et donnez-moi du champagne. Attends, vas-y, il y a une autre intrigue. Oh, j'ai failli la maîtriser, je t'assure, ouais. J'ai failli la maîtriser. Faut bien dire. Oh, Monsieur Kazim. Oh, Monsieur Kazim, vous n'avez pas de cheveux, ça vous va très bien. Monsieur Kazim, vous avez perdu votre toupet. Mr. Ingram has been expecting you. We have a conference room. Tu sais que j'ai cru que c'était la meuf et j'allais carrément mettre du Guronzan dans sa bouteille d'eau. Non, mais, c'est pas la cible, non, du tout, c'est c'était deux mecs la cible. Non, c'est... Oui, j'avais oublié. Oh là là, j'ai failli. Hein. Ça me dirait bien de le faire avec du poison, tiens. J'aimerais bien voir s'il y a une bouteille à proximité du gars. On a le droit de passer, on est avec elle. Bah ouais. On est avec cette dame, importante. J'aimerais bien avoir une touche pour marcher à sa vitesse. Mais si, elle, si elle nous parle d'un truc professionnel en rapport avec le vautour, on est dans la merde. On dira oui ou non. On va dire n'importe quoi. Au sujet du contrat K2, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça y est, on va avoir une réunion. On doit se comporter comme le vautour. Oh non, mais c'est gênant. Ça va être toute une journée dans la peau du vautour. Ça va être très gênant. Hop. Alors. Deux hommes, un armé. Oh le f... Je ne veux pas prendre le coupe-papier. Canette de soda, mec. C'est maintenant, il faut que j'arrive à mettre du poison. T'as le droit ou pas ? Bah, de mettre... pas devant eux, mais... Et qui te dit qu'il va boire ce soda ? Et qui te dit qu'il va venir ici ? Parce que, regarde, c'est la place du boss, c'est là où on signe les contrats. Regarde, attendez une gramme, attendez une gramme. Alors, prends la canette, mets du Guronzan dedans, et espère qu'il la boive. Est-ce que je... T'as le droit de faire ça ? Va te rafraîchir. Alors, comment je mets du... Comment on fait pour mettre du poison ? Oh, au pire. Oui, t'as raison, mets-le sur du PQ. S'il se mouche. Comment j'empoisonne ? Ça se trouve, faut le mettre dans la bouche du mec directement. Boîte de pilules. Oh, j'aurais bien aimé... Tu peux pas. Ah, tu peux prendre pas. Prendre Morora. Ok, ça mais, va marcher. Mais ouais, mais on la met où ? Putain, mais je peux vraiment pas la mettre. Tu peux pas sur une canette. Oh merde. Et on peut le mettre sur quoi ? Dites-nous. Ça c'est dommage. Ah c'est dommage. C'est oui. T'es fan ? Grand fan. Bon bah voilà, tout va bien. Oh, pardon. On dirait que j'avais rousse pété. Bon bah voilà, tu vois. Je regarde un coup, je flippe. Hop. Pour la réunion. Oh, bonjour, oh désolé, j'étais aux toilettes. On va le signer, le satané contrat. Oh, mon gros crâne chauve, là. Oh, il est bien lisse.
Interromps-le et lui dis, vous avez mauvaise mine. Vous voulez un Guronzan? Well, only time will tell. I have two assignments for you. Take care of the first one and then we can discuss the bigger fish. Now. D'accord. An acute problem has been brought to my attention. Keep talking. I'll be candid with you. No one is supposed to know that I'm here. However, there's a journalist down at the inauguration and he's asking rather intrusive questions about who's staying up here. Non, c'est peut-être un peu radical. Tu peux arrêter de cadrer sur le coin. On a l'impression qu'il a levé la tête pour nous voir. Vous voyez? Fais-moi un bisou sur le crâne là. This is his file. Hans looked. Pulitzer winning freelance journalist. He's good. Le journaliste. Hans Lucht. 47 peut l'éliminer ou le neutraliser, puis le prendre en photo pour montrer qu'il est capable d'accomplir la mission. Attends, on a une mission dans une mission. Le vautour, c'est un tueur à gage en fait. Ouais. On a une mission dans une mission. On va lui donner un somnifère, on va prendre une photo. Then we can discuss the real cancer that needs to be removed. I'm sure you can see yourself out. Tu sais combien ça coûte en France à peu près de faire tuer quelqu'un? Carl Ingram, Providence partner and Bald billionaire. A legendary political fixer. Il me semble avoir vu une fois dans un documentaire un truc où c'était ridiculement bas. Alors ça dépend ce que tu entends ridiculement bas, mais pour moi je trouve ça bas, mais c'était quoi? Moi je le sais. J'avais entendu un truc dans les genre 20 000, tu vois. Ah, même pas, non. Pour 6 000 euros. Oh non. Mitterrand, on va mourir. Tout le monde va mourir. Ça peut être plus. Mais moi, je me dis, tu te rends compte du nombre de gens qu'on pourrait tuer? Bonjour. C'est très gênant, là. Je suis le vautour, après tout. Ah ouais, non, mais c'est ridiculement bas. Vraiment. Oui, c'est une somme d'argent, mais c'est très très bas pour une vie, quoi. Enfin, c'est incroyable. Bah écoute, qui crache sur 6 000 euros? Ok, je m'en vais. Je m'en vais. Pourquoi? Je m'en vais. On n'a pas le droit d'aller là. On n'a pas le droit. Ok. D'accord. D'accord, bon, bon. Je ne reviendrai plus. Alors, par contre. Ça, c'est le monsieur qui est parti. Et Hans Lucht, il est. Ah, il est en bas. Hans Lucht. Hans Lucht. Non. Tu vas te faire repérer. Ok. Je cours, hein, je fais un footing. Bonjour à tous. Vous inquiétez pas. Hein. Bon, est-ce que j'ai le droit de partir maintenant? J'ai une mission. Je suis le vautour. On va le choper, ce photographe. Messieurs. Alors attention, hein, parce que là, eux, c'est les mecs les plus sévères de tout le bâtiment. Ouais, ceux-là, ils t'ont chopé la première fois. Messieurs, okay, bonjour, c'est bon. Bonne journée. T'as dit vicieux quand t'es passé? Non, vicieux. Alors. Il est où? Attends, il y avait une icône avant, non? Ouais. Fais-toi un petit contrôle pour voir si ça se trouve, il va apparaître. Ah non, c'est juste que ça te dit, c'est. Ah, là-bas. Il faut que tu le trouves au milieu. Hein. C'est là-bas qu'il me montre. Alors, c'est cet homme. Moi je l'ai vu, il est un peu grassouillé. Ouais. Lunettes, cheveux longs, en arrière. C'est lui? Non. Ah. Ah. Lui? Tu l'avais. Non, non, c'était pas lui. Ah, si, c'était lui? Moi, c'est. Voilà, c'est celui-là que j'ai vu. Lui? Ouais, voilà. Ah, ouais, sa coupe de cheveux, on va le trouver direct. Tu vois? Vu un peu grassouillé, cheveux gras. C'est un journaliste. Il doit être tout seul. Mmh. Ah, attends, reviens en arrière. J'ai cru l'avoir vu. Là, le mec en gris. Non, lui. Ah non. Bien trop beau gosse. Où est-ce qu'il est? Monsieur, dame, bonjour. Où est monsieur Lucht? Ah! Non, c'est pas le mec de gauche. Trop jeune. Pardon. Et pourquoi devrait-on être connecté? Hein? Dans cette société, on est toujours connecté. Ok. Bon, je cherche un journaliste, cheveux gras, bon, la quarantaine. Voilà, je dois le buter. Bon, voilà. Bon.
doit être un peu tout seul, un peu isolé. Vous pensez que c'est dans cette zone ? Attends, fais un contrôle, ça se trouve, contrôle, ça te le met en surveillance. Non, on voit les serveurs. Il y a des gens un peu en surbrillance, mais je sais pas pourquoi. Tu vois ? C'est des gens peut-être que tu peux tuer ? Et pourquoi dans ce cas-là ? Ou prendre leur apparence ? Ah, c'est genre plutôt des déguisements, ouais, je pense. Comment faire pour trouver un homme qui aurait les cheveux gras ? Pas beaucoup de cheveux gras ici, hein. Ça jette des shampoings très très chers. C'est pas trop la cible là. Merde. Mais alors, comment peut-on le trouver ? Au bar ! C'est un ivrogne ! Journaliste, c'est forcément un ivrogne ! Pourquoi on n'y a pas pensé ? Putain, on est con ! Monsieur Lucht. Ouais. Il est pas tout à fait au bar, hein. Il a peut-être pris des saucisses cocktail et il est parti un peu plus loin. Ah. C'est un monde ça, je vais pas jusqu'au bout du monde. Non, je pense que c'est là. Hein. La notif. Ah, oh mais tu vois, là, ça a bougé. Attends, quoi ? Lui ? Ça, ça... Ah, non, il a pas de barbe, normalement. Non, là, ici. Il est là ! Oh, c'est la théorie du bar. Putain, trop fort. Genre vraiment... escorte. Mr. Lucht, I hear you're looking for information. Oh, really? Okay. Oh, je me permets. Pendant qu'il lui parle. Allez-y, continuez. Faites pas attention. Allez, venez avec moi. Ah non, c'est moi qui vous escorte en fait. Attends. Oui, si, où est-ce qu'on va ? Si. Bah, emmène-le dans les toilettes. Oh, d'abord, un petit passage aux toilettes, monsieur Lucht. Allez, on y va. Allez, on a rendez-vous. Un petit pissou, hein, c'est toujours mieux avant de faire une mission. Vous me suivez, hein ? Oh là là, vous êtes complètement... lent. Attends, on va le faire rentrer dans les toilettes, il va se douter que c'était pas là qu'il y a rendez-vous. Vous inquiétez pas. Oui, monsieur, tout à fait. Il y a un garde très, juste très là. Bon, monsieur, deux hommes qui vont aux toilettes, ça n'a rien de suspect. Allez, venez avec moi. Oh, il y a du monde aux toilettes. Ouais, merde, il y a du monde. Hello. C'est les hommes ou les femmes ici ? Peu importe, venez avec moi. Ça devient suspect là. Non, mais attends, là il se dit pas, il y a un problème. Vous pouvez, venez avec moi, je peux pas fermer la porte là. Hop, voilà, très bien. Voilà. Oui, normal, vous êtes aux toilettes avec un homme que vous ne connaissez pas. Allez, hop. Ah, nickel. Bah attends, mais il faut condamner ces toilettes maintenant. Oh merde, j'ai pas pensé à où le mettre dans les toilettes. Oh non. Mon appareil photo de téléphone, ok. Montre bien le visage là. Yes, that's it. Now Ingram trusts you, it's like shooting fish in a barrel. Annulé ? D'accord. Si vous aussi vous voulez assassiner des gens dans les toilettes discrètement, vous pouvez vous procurer le jeu sur l'Epic Game Store avec le code créateur WANKILL, bien évidemment, on n'oublie pas, le jeu vient de sortir, n'hésitez pas. Le lien est disponible dans la description. J'ai entendu un truc. Quoi ? Est-ce que c'est vrai que quand on utilise le code un code créateur, on va dire le nôtre, ça donne Hitman 1 quand t'achètes Hitman 3 ? Alors moi, est-ce que c'est dire, vrai ? Quand on utilise le code créateur, ça fait grossir la bite. Ça, par contre, je sais que c'est vrai. Ça, c'est en vrai. En revanche, mais l'info que tu me dis, ça, je sais pas. Oh, mais mec, là, par contre, on va juste condamner. Attends, c'est quoi ce boîtier jaune ? C'est quoi ce boîtier jaune ? Il y a peut-être un truc à faire avec le boîtier jaune. Ici ? Ah, véridique. L'info est vraie. L'info est vraie ? Je viens de donner une info réelle. Eh bien, sachez qu'avec le code créateur WANKILL, si vous achetez Hitman 3, vous avez Hitman 1. Alors, ça, c'est... Et ça, alors, c'est ça. Un régal. Et ça, c'est une offre. Je vais lui mettre la tête dans les toilettes, sans raison. Non, bah je vais le laisser là, hein. Je suis désolé, mais... Non, mais le pirate, le truc jaune, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Mais en fait, le pirater, genre il y a un truc... Attends, je sauvegarde parce que j'ai peur, il y a un truc... Pas d'autre contrôle. Super, Terra, super. Oh non, super. Oh non. Super. C'est pas de ma faute, bah maîtrise-le lui aussi. Oui, c'est ce que je vais faire. Oh, les toilettes, elles pètent un plomb. Ah. Ah ah.
faudrait faire ça avec Dan Pipi aussi. Oh là, hop là. Faut que je reste le vautour par contre. Voilà. Bon bah ça commence à être le bordel dans ces shots par contre. Bon, c'était une super idée mais on va. Non mais vraiment, je crois vraiment qu'il y a encore Dan Pipi hein. Enfin vérifie. On va mettre 15 personnes dans les chiens. Bah écoute. Hop. Non. Hop. Oh, carte d'accès, on prend hein. Hop. Sors comme si de rien n'était. Madame, c'est pas Dan Pipi, c'est juste quelqu'un qui... Madame, excusez-moi, vous vous lavez les mains, vous avez terminé les questions. Écoutez, du moment que vous ne rentrez pas dans les toilettes duquel je viens de sortir, vous pouvez rester. Après, on pourrait se dire, elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mauvais moment. Et d'un coup, j'ai pas appuyé, c'est lui qui a appuyé, j'ai rien fait. Maintenant, faut la traîner. Écoute, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. Il y a plein de gens à qui ça a dû arriver dans la vie, voilà. Oui. Puis ils se réveilleront, je sais pas trop quand, mais ils se réveilleront. J'espère vraiment que personne ne va rentrer dans les chiottes. Hein. Oui. C'est quoi la maintenance, ça se trouve, il y a... Ouais. On a la carte d'accès. Ah, oh, on n'a pas accès à la carte d'accès. D'accord. Ah. Maintenant, oui. Ah, voilà. Ah. Et ça doit être un accès... Ici. Ça doit être un accès pas mal pour aller chercher l'autre cible. Peut-être un peu loin. Peut-être lui. En mais tout là, cas, de toute façon, on doit. En tout cas, tout le monde est suspicieux ici, donc je vais m'en aller. Ah, ah, caméra. Y a une caméra. Ouais. Elle m'a pas vu. C'est bon. Bon bah, on espère que les toilettes ne seront pas visitées par quelqu'un d'autre. Voilà. Hop. Bon, sachez que si vous nous voulez comme assassins, nous on prend pas cher. Hein. Oh, nous c'est ouais, beaucoup moins, hein, beaucoup moins, on n'est pas sur ces tarifs. Nous, c'est à la bonne franquette, hein, on prend 20 balles, voilà. Voilà. En après-midi. Looking good, man, looking good. Bon, merci, vous êtes super sympa. C'est super sympa. Non, mais si j'étais quelqu'un d'important, ce serait mal placé. Ouais, par contre, ouais. Mr. Kazim, welcome back. So, you have the picture. Ah, mais même oh, c'est pas du tout un sujet tabou, c'est, quoi. C'est pas un secret. C'est vous vraiment... l'avez tué. Vous pouvez le prouver, c'est bon. C'est les tâches des assassinats, quoi. Il y a aucun problème. Our guest will be delighted. Ouais. Follow me. He's waiting. Oh, va au penthouse. Mr. Kazim. Hey, Hitman est vraiment trop cool, hein. Je me permets. Je peux pas sucer le jeu, mais... Ah, c'est trop bien, Hitman. Franchement, c'est trop bien. Surtout que là, on fait que une des intrigues. Ouais. Et il y a souvent au moins 3 intrigues par map. En tout cas, pour l'instant, pas repéré du tout. Rien, aucun problème. Ouais, bah, attends que quelqu'un ait envie de pisser. Ouais, en fait, juste si quelqu'un a envie de pisser, on est repéré. Oh, j'ai tout... C'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est merveilleux. Mais oh, moi aussi, je veux un pays avec beaucoup de pétrole. Regardez wow. Ça. Waouh. Une belle AK-47 ça. Oh là. Oui c'est une pomme, c'est bon. J'ai eu peur de ce que j'avais dans les mains. Regarde. Tu lui dis tiens ça gueux. Oh mon avis. Non non. Ils sont pas morts. Je croyais que j'aurais dû les tuer pour pas qu'ils se réveillent. Non mais ils vont peut-être se réveiller en mode oh la gueule de bois, le champagne, tabasse. On dirait le début d'un court métrage genre comment on est arrivé tous les trois dans ces toilettes. C'est Very Bad Trip. Pourquoi vous êtes arrêté en fait? Oui. Fallait la suivre. Continuez. En fait, t'as pris les devants. C'est très mal poli de faire ça. Hein. Oui, je sais, mais elle est très lente. Oui, après, quand on est riche comme ça, on marche lentement, on est très calme, on va pas courir. Allez là. Non, ils se réveillent pas. Bon, bah voilà. Mais s'ils se réveillent pas, ils sont un peu morts. Non. Non. Fais pas ça. Oh, pardon. Halt pour marcher. C'est faux. Ça marche pas. Faut maintenir peut-être. C'est ce que je fais. Faut appuyer une fois peut-être. Non. Alors on t'a juste menti. Voilà. Il est loin le penthouse. Oh, je peux faire du piano? Mec un peu dissipé. Non, ok. Mais t'as une pomme dans la main, tu sais, ça fait faux mec cool. Ouais, vraiment, faux mec cool qui jongle avec sa pomme, là. Qui va croquer dedans à un moment décisif. Merci, je vais ranger ma pomme.
également. Vous pouvez arrêter de parler de la photo devant tout le monde. Yes. Your problem is fixed. Omar said you were good. Permettez. Mais je vais m'allonger. D'accord. Okay, people, clear the Hop là. I need to discuss some delicate business with Mr. Kazim. Bah là, on va être seul à seul avec lui. Seul à seul avec notre cible. Tout le monde sort. Let's go. C'est maintenant. Alors, dans quoi je vais le ranger? Dans quoi je vais vous ranger? Oh, je vais vous ranger là. Attends, on a un garde. Ok. Un garde, un mec. Fermez les portes, c'est un sujet extrêmement sensible. Ouais, parce que là, la porte ouverte, c'est pas discret. Alors, on va sauvegarder, je suis désolé, hein, j'ai une petite bite, mais bon, au bout d'un moment, il faut faire les choses bien. Oh, c'est mignon tout ça. Là, faut réfléchir. Comment se débarrasser du garde? Fermez la porte. Regarde. Oh non, il va se retourner lui. Ok, regarde. Je vais prendre une pièce de monnaie. Oh, il a bougé. Sachant que les gardes sont très mal payés, on va la lancer pour qu'il aille la ramasser. Genre, je vais Oh, vous voulez pas aller sur la terrasse par hasard? Y a des verres. Tu peux pas empoisonner? Non? Oh oui! Mais là, tu vas te repérer. Oh, ils sont deux! Tu peux empoisonner sans qu'ils te voient ou. Je pense pas. Point d'exclamation, à mon avis, c'est qu'on me voit. De toute façon, là, il est en train de me parler. Je pense qu'on peut pas trop faire quelque chose là. I can imagine. I don't know how much Omar, I mean, the Royal Highness, has told you, but my guess is very little. C'est chaud là avec le avec deux. Ouais, mais si t'empoisonnes discrètement, tu pourras juste te barrer et il va mourir tout seul. Cancer that can only be removed by cutting it out of the gut. If you get my drift. Yes, I do. Non, j'ai une autre idée. Tu vas sur le balcon avec lui, tu jettes la pièce par-dessus le balcon. Il va sauter pour aller la récupérer. Directement essayer de la voir. C'est des vitres opaques ou... Attends, va de l'autre côté pour vérifier. Attends, attends. Oh, pas du tout, mais dans l'autre sens en fait. Par contre... Mais là, tu suis, hein. Oh, je vais le tenter, hein. J'en ai rien à foutre, je vais le tenter, hein. Non, mais t'es un ouf. Attends, ça veut dire que tu vas avec sur le... Admettons, tu vas avec lui sur le balcon. Et tu vas rentrer dans la pièce tout seul. Oui, bah, il a changé d'étage. Eh, par contre, chargement là. Il a pris que l'ascenseur. Arrête de charger. Chargement. Ah, c'est le jour de la sortie, hein. Les serveurs sont pas bien. Quand ça, c'est le jour de la sortie? Il est pas sorti? Il est sorti aujourd'hui. Ah. Par contre, là, j'aime pas. Ouais, chargement. Non, sérieux? Oh. Alors, what? Non. C'est vraiment pas chouette. J'attends encore un tout petit peu, mais c'est pas chouette. Je sais plus quand j'ai save. Après, il y a des save auto. Je pense avant la réunion, il y a une save. Bon, je redémarre, comme ça on se fait pas chier. Ah! Ouais, ouais. Ok. Attends. Motherling, c'est ce qu'il nous faut depuis le début. Vous ne pourrez pas réussir les défis, vous n'aurez pas de score. Oui, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout. Tant pis. Quoi? Hein? Ok. Ça fait quoi si je fais ça? Vous la voulez cette pièce? Non, vous êtes un homme riche. Oh, ce vieux style que j'ai, putain. Attends, mais c'est une tempête? Ouais, mais c'est chaud là. Oh! Tu vas le tenter? Tu vas le pousser? Je vais grave le pousser en fait. Facile! Salut! Bon, si les gardes nous demandent où il est, il est là-bas! Ah non, c'est un oiseau! Non, c'est ça! Regarde, il vole! Il a des ailes! Oh le malaise quand je vais rentrer. Oh le malaise. Modifier rambarde. Oh, genre pour faire penser à un accident. Oh putain. Je vais faire penser à un accident. Il me voit pas. Bah non, mais non, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Là non. Oh non, il aurait pu tomber tout seul. Bah oui, c'est pour ça, il aurait pu tomber tout seul.
Là tu vas rentrer en fait, tu vas dire oh mon dieu, vous n'allez jamais le croire. Il est tombé. Il m'a dit d'y aller. Faut te dépêcher là, parce que là quand ils vont s'en rendre compte. Vite, deuxième cible. Au revoir. Recharge. Bah c'est pas essentiel, sachant que. Enfin. Si? Pour l'instant, non, moi je me dis. Laissons. Faut qu'on apprenne de nos erreurs. Là clairement, enfin personne ne saura que c'est moi. Genre y a aucun problème. Non, par contre, au bout d'un moment, il va se dire. Attends, il est plus sur le balcon. Oui, mais genre, en vrai, bon. Mais d'un autre côté, t'aurais fait quoi de toute façon s'il t'est tombé tout seul? Oui, ça aurait été la même chose. Pareil. Au final, ce serait la même chose. Pour ceux qui connaissent Hitman, en vrai, on s'en fout, non? C'est juste je rate un défi, a priori. T'aurais pu, par contre, peut-être bluffer les gars en disant oh là là, il est tombé. Oui, mais ça, je crois que. Pour ceux qui connaissent Hitman, ça revient au même, on est d'accord. J'ai déjà regardé les streams de Hitman, on n'est pas sur ce niveau de détail. Bon. Je suis un gros joueur Hitman, c'est juste une question de défi. Voilà, on n'est pas sur ce niveau de détail. Où est-ce qu'on est là? Ah oui, voilà. Alors, essayons peut-être de passer par les toilettes, c'était pas mal. Je vais me déguiser en agent d'entretien. Et on va continuer. T'es sûr que tu veux te déguiser en agent d'entretien? Tu veux encore tuer quelqu'un qui n'a rien fait? Non, regarde, on en a un tout près ici. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Regarde, j'ai trois déguisements. On a que l'embarras du choix. Ah. Alors, comment je vais m'habiller aujourd'hui? Parfait. Tout nu. Et voilà. Oh. Ok, pour notre prochaine cible, faut qu'on réfléchisse à notre environnement. On va faire quelque chose de bien pour la prochaine cible. Eh oui, je suis un agent d'entretien, je fais mon travail. Personne ne me suspecte ici, c'est parfait. Non, mais en même temps, les gardes sont en train de chill. Hein. Alors, est-ce qu'il faut qu'on monte encore d'un étage, il me semble. Hein. Bah, il est où le mec? Je le vois pas. Oh, ah ouais, il a changé de... Il est loin, ça bouge. C'est quoi ça? Ascenseur de maintenance. Ça par exemple. Ah. Bah, c'est de là d'où tu viens. C'est de là que je viens. Je viens de là en fait. Un super balcon. Hey, est-ce qu'on s'en foutrait pas complètement d'être ici? Bah là pour le coup je crois bien. Mais attends, on s'en fout complètement. On est juste passé des chiottes à ça. Bah au moins t'as une tenue caméléon. C'est vrai. Enfin, caméléon. Ouais. Bah, les gens vont demander des coupettes. Alors, on se rapproche un peu, j'aime bien. Ouais, passons par là. Oh no. Bip. Non, bip. Ne fais pas. Il peut y avoir une alarme. Bip. Comment avoir les codes dans Hitman, je sais pas ça, en vrai. Parler avec des gens, trouver un document. Regardez les empreintes sur les codes. Il est plein de ressources cet homme là. Attends. Ouais j'aurais continué quand même. On a pas la carte. Ah on a pas la carte. Okay. Non mais ouais on va aller tout au bout là après le bar. Rapprochons-nous. Oh bah regarde. Il m'a appelé garçon là. Garçon. Bah regardez! Bah qui c'est qui arrive? Il est juste là! Par contre, on n'a pas trouvé d'intrigue pour Marcus. Attention! Aïe! On n'a pas le droit d'être là! Attends, on a un garçon de toilette, hein. On n'est pas un serveur! Eh, je vais être un. Je vais être quelqu'un de riche! Ah, il y a une intrigue. Ouais. Je pense que ça vaut le coup. T'as le droit d'aller là? Non. T'as le droit d'être ici? Messieurs, je suis désolé d'être entré. Non mais attends, mais l'intrigue est ici, donc d'un autre côté. Faut peut-être écouter juste. Intrigue proche. Écoute en fait, hein. Ça te suffira peut-être. Mec, il les écoute. C'est très gênant comme situation. Grave. Ok. Endosser le rôle de garde du corps. Nickel ça. C'est parfait ça. Pour étrangler cette petite finasse. Parfait. Infiltrer la zone réservée au personnel. Messieurs.
J'ai quasiment envie de vous lancer une pièce, mais là c'est pas le moment. Non, non, c'est pas le bon moment. Il me faut une. Il me faut quelqu'un comme vous. Bah, voilà. Maîtrise-le. Pas de caméra. Oh, là non, ah du coup. D'accord. On n'a pas un endroit où on pourrait. Oh, le placard! Si, si, si! Ça, tu peux les mettre dans le placard. Hein. Oh oui. Ah oui! Tu t'attends qu'il y en ait un qui. Lui, attire-le! Attends, ouais, 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 ouais. Oh oui! Maintenant! Ok, traîne-le vite dans le placard! Mais non, attends, non. Où il y a un pistolet? Je sais pas s'il faut le prendre le pistolet. Vas-y. Hop là! Hop, rigidité cadavérique, il tient debout. Bon, on va prendre. Hein. T'as un gars. Oh là, pas dans les mains. Pas dans les mains. Par contre, ça aurait été marrant. C'était quoi là? Je sais pas ce que ça aurait fait. Treuil, c'était un piège pour que ça le nique, mais je pense que ça aurait fait un peu de bruit. Non, mais là c'est nickel. Salut collègue. Ah. C'est moi, on s'est vu tout à l'heure, tu me reconnais? On vient de parler, je n'ai pas la même voix ni la même coupe de cheveux, mais. Bon, salut à tous. Oh, j'ai besoin d'un garde du corps, il a dit. Voilà. Je sais pas si on a eu de la chance qu'il arrive tout de suite comme ça. On va le suivre, non? Infiltrer la zone réservée au personnel. On va peut-être faire la zone réservée au personnel d'abord. On fait l'intrigue? Allez, on fait l'intrigue. Soit on fait l'intrigue, soit on le suit. On peut le suivre. Vous allez où? Vous allez où, par curiosité? Oh putain, il est vraiment dans une zone... Pourquoi vous? Ah, il se fait suivre. Mais si tu... Si tu te débarrasses du mec qui suit. J'ai rien. Il y a un placard, tu peux tuer les deux. Il y a un casier. Ah non, il a entendu. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi, il y a rien. Il y a rien eu. Toi. Ah, j'ai failli sortir mon pistolet, t'es fait comme un rat. Ok, okay, bon, ça fait un peu de bruit. Ils entendent quand on étrangle un mec derrière. Okay. Ouais. C'est une sauvegarde auto 22h45. Sauvegarde auto, c'est mieux. Bon, d'accord. Heureusement qu'ils en ont fait d'ailleurs, la sauvegarde auto. Pistolet silencieux, c'est vrai que ça ferait limite moins de bruit quoi. Bah, mais on va faire l'intrigue peut-être. En même temps, là, ça se tente quand même, hein. C'était assez idéal, hein. C'est vrai que. Regarde, vas-y, tu sais qu'il va aller par là. Attends. Prévois le coup. C'est quoi? C'est un silencieux ton pistolet ou pas? Non, mais non! Mais non! Pas tout de suite! Y'a personne! Ah, ça faut le récupérer. Ah ouais, c'est un silencieux. Bah, s'ils arrivent, tu fais. Pouf, pouf. Tu fais. Pouf. Non, mais tu tues par les contre, deux! Y'a de la place que pour un là-dedans, je crois. Hein. Y'a de la place pour deux? Ouais, pour deux. Oh! Attends, mais. Ouais, voilà. Ah! Oh quoi? Mais y'a peut-être des mecs derrière! Ah oh ouais, ça y est, c'est... Là, tu as loupé. On peut en mettre deux? Ouais, j'ai loupé le coche. C'était maintenant, quoi. On suit quand même. Tu vas quitter ton poste. Oui, il a eu un point d'interrogation. Il lui chuchote ça dans l'oreille. Il a eu un point d'interrogation en mode, et pourquoi donc? Oh, va y avoir un pou-pou qui va partir là. Mais c'est toujours suivre. Oh, il y avait toujours un mec qui prend le relais là. Ouais, couvre-le. Non, je prends le relais, c'est bon, je prends le relais. Hop, merci. Oh, oh merde. Y'a trop de monde. Oh, vous êtes combien, putain? Ouais, là, il est dans les salles d'expo, ouais. C'est magnifique. Oh, j'ai envie de faire pouf, pouf, pouf. Ha 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 ha
Oh vas-y, c'est bon, on avait une intrigue, on se retrouve à faire une expo avec le mec. On est son pote, limite. Oh. Ouais, y a un truc là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on tire sur. Sur la corde quand il passe en dessous? Je vais grave poule. Ouais, t'as juste à poule une fois et puis c'est bon. Par contre, faut que je sois vraiment bien caché quand je tire et qu'on sache pas. Attention, il va y. Ouais. Ah, je peux pas passer là. Ah, attention, il va y. Oh non. Ah ouais, c'est de l'eau en fait là. Parce que là, on va me voir sortir mon pistolet en fait. Je peux me mettre peut-être en. Oh, qu'est-ce que vous foutez là? Il va repasser ou pas? Ah, si, ce serait un bon angle. Ah non. Ok, il est là. Non, tu pourras jamais tirer d'ici. Ah, peut-être oui, que accroupi à travers la porte. En tout cas, personne me voit sortir mon pistolet a priori maintenant là. Oh, je vous conseille de déguerpir. Ok. Et tu passes par la salle de maintenance dès que t'as fait le truc. Ouais. Let's go. Il est pas vraiment passé en dessous, il est passé. Non, il est pas passé en dessous du tout même. Alors, sans le savoir, il est très malin. Il parle de ça? Pourquoi le soleil n'est pas. Non, ça ressemble pas tellement à un soleil. C'est ça, ouais, je pense. C'est plutôt ça. Il va y repasser. Là, prépare-toi, je pense qu'il va passer sous le truc. Non, mais mets-toi plus loin, pas ici. C'est sûr que tu vas pas avoir le temps de tirer dans la fenêtre. Voilà, là. Bah, maintenant, je peux. Maintenant, je peux me mettre là, mais. Loin. Ouais, regarde, il y a beaucoup de passages. Ouais, madame. Madame, je dois vous supprimer. Ah non, attention, il se barre. Il se barre de l'autre côté. Non, non. J'avoue, c'est bizarre. Bon, oh, putain, on va faire l'intrigue. Voilà. Bon, on va faire l'intrigue, vas-y. Allez, on va faire l'intrigue. Hop. Tu te passes vraiment devant lui, genre, bon, je reviens, merde. Bon, ça n'a pas fonctionné. C'est très vrai ça. Arrêtez de backseat, achetez le jeu et faites-le vous-même. C'est très bien vu ça. Une très très bonne info. Faites-vous alors, votre là... propre scénario. Vous n'avez pas l'air d'aller vous bien, trompez, madame. Vous avez froid. Vous avez mangé la mort au rat qu'on a mis tout à l'heure sur le bureau. Oh, bah j'espère que j'ai le droit de passer ici, tiens non. Bah t'as un garde, t'as tous les accès du coup là. J'ai tous les droits. Ouais, oh. Toi par contre, t'as pas envie de toucher. Vous m'avez bousculé. Trouvez la recrue manquante. Vous êtes la recrue manquante? Mais non, c'est un sommelier. Non, mais non, tu vois bien que c'est pas une recrue. Oh là, il y a. Non. Oh. Trouver la recrue manquante. Qu'est-ce qu'ils entendent par. Trouver la recrue manquante. C'est pas en dessous? Trouver non, le c'est là. De bière manquant? Là, ça passe à 11 mètres, c'est en dessous, il est descendu. Ça... Ouais, faut aller en bas en fait. Comment on va en bas? Voilà, ça a l'air mieux déjà. 6000 dollars! Non, mais maintenant la recrue manquante est en cuisine? Oh là 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 là! Oh, oh le. Oh! Oh, 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 oh les petits fours! Oh les repas oh, Webedia. Putain. Oh je m'en oh, prends. Oh bah oui. Je m'en prends deux. Oh. Oh ouais. Le psychopathe. Look, this is gonna make. C'est lui. Hey, you. I have a problem. I'm supposed to meet up for duty, but they can't. Oh, on va te trouver ton uniforme. That's not my problem. Ah. Come on, I need help. You look my size. If you're off duty, couldn't I just borrow your uniform? It's my first day and I really. Oh putain, il va prendre mon uniforme. Vas-y, vas-y, écoute. Ou alors, faut qu'on retrouve l'uniforme en fait. Parce que là,
J'ai qu'à tous les deux les niquer et prendre son document. Ah, prends le document, personne ne te voit, non ? Obtenez les ordres de la recrue. Attends, on va suivre l'intrigue, mais... It's just so embarrassing. Oh, it's nothing I haven't seen before. But you don't understand. I'm military. Prends le papier, hein. Ça se trouve, c'est ça les ordres. I was supposed to be ready and present my papers half an hour ago. Ok, c'est ça. Document détaillant les affectations antérieures. Il a déjà travaillé pour Dawood Rang. On fout. Présentez-vous au poste de sécurité. Ok. C'est où? Ok. Ah, faut remonter. Dommage, on a pas droit aux ascenseurs. Je pensais que t'avais une bonne mémoire finalement, comme moi. C'est pas par là. Alors. C'est encore en haut. Oh. Oui, mais c'est juste là. Oh putain, il est repassé. Putain. Reporting for duty. About time. Oh, ça va. Been going out of his mind waiting for you. Do you have the papers? Yes. Good. I'll call him now. How should I address him? It's classified, so you don't call him anything. But officially, he's just known as codename Pinky. Ok, on doit aller chercher Pinky. Alors Pinky, attendez Marcus au poste de sécurité. Bah c'est ici. Sir, this is security. Just calling to let you know your new guard has finally arrived. Putain, du coup il venait de partir, il doit revenir. Hop là. Hop là. Tu les gardes. Hop là, c'est mon poste de sécurité. Ok. Bon, j'attends alors. Oh, je prends juste ça. Ça vous dérange pas? Oh, il va t'engueuler parce que depuis tout à l'heure il cherche. Monsieur Marcus. Oui. I have very high standards and trust you will do your duty. J'adore la musique techno, le champagne et les jolies filles. J'espère que tu es prêt. Hop là, je suis ton homme. On part en teuf là. Yes. Good. Oh, you worked for Dawood Rangan. Hope you weren't there on the day of his tragic death. Okay. This all looks very good. Come on, let's walk. I need to tell you a bit about what I expect from you. C'est parti. Et cette fois-ci, il y a que moi. Moment, à tout moment, pouf. Oh non, il arrive derrière. Ah, le relou. Après, il faut le suivre sur le balcon. Hein. Sur le balcon, on va lui faire sa fête. Hein. Pourquoi? Non, c'est un bait of views. Pourquoi dans le chat, vous parlez d'une Margot? De quoi ça parle? Je sais pas, ils disent tous Margot. Mais c'est quoi le Margot? Je sais pas, ils ont complètement vrillé, tu sais, ils ont un mouvement de foule. Ils sont juste. C'est des animaux. Oh les petits fours encore, oh le gâteau! Oh, c'est quoi sous cette. Oh putain! Créer une fuite d'eau. Putain, y'a tellement de trucs à faire partout là! Oui, désolé, ouais. Mais on va encore en jeter un par-dessus bord, c'est scandaleux. Ça va être encore ça, hein. Attends, il y a peut-être un autre moyen, fais un contrôle. On voit ce qu'il y a. Ah non, on voit rien de spécial. Il me parle, mais je l'écoute pas. Il y a une caméra de sécurité, générateur. Je
today with that statement. So, show me what you got. Do well and you work for me. Oh, ils sont sérieux? Oh putain, je suis un... Oh non, je dois passer une épreuve! Oh, la trick de merde! Bonne chance, hein. Oh bah, vous savez quoi? J'ai amené le mien. Et si jamais par erreur tu le plantes dans sa tête au lieu de la cible? Ah ouais, ce serait dommage ça. Toucher les 4 cibles avec les couteaux. J'en prends 7. Attends, oh bah, ça m'a l'air facile. Oh bah ça va aller vite monsieur, hein. Je pense que vous pouvez me recruter. Regardez comment je suis fort. Ils ont pensé aux gens qui sont en dessous. Pour les pauvres. Oh, vous avez pensé aux pauvres. Il veut être poussé. Et l'autre. Couteau dans la tête de l'autre. Oh. J'ai loupé l'occasion. Bon, en vrai là juste à lancer un couteau sur le mec et à éliminer le... Un trick terminé. En vrai je le fais. Moi j'aurais... Sauvegarde pas maintenant. Au pire il y aura un sauvegarde auto. Non, pas toi. Non. Toi. Ah attends. Oh, bah c'est encore mieux que ce que je pensais. Mais non, t'avais pas besoin de tuer. Ça dégage. Encore trouvé. Non. Non, vous l'avez pas trouvé, non. Non, regardez. Hop, oui. Pas trouvé. Pas du tout trouvé. Tout le monde m'a dit attends, et j'ai juste jeté un couteau et coupé, pousser le mec. Mais prends l'échelle, parce que là je crois qu'il y a des gens qui arrivent. Ah non, t'as une sortie juste à côté à droite. Oh, je vais sauter. Peut-être, mais ton parachute il est où? Il est là. Tout était prévu, je quitte la mission. Tintintin. Tintin. Eh, hey, franchement, ça s'est bien passé, putain. Tintin. Cette mission était terminée en mode hors ligne, du coup vous êtes une merde. Ok, ça pourrait mieux se passer. Notamment le dernier kill, hein, le kill gratuit sur le card alors qu'il est en train de partir, mais... Ouais. Dans l'ensemble... Bah là ils ont trouvé des cadavres en bas de la tour déjà. Au moins 3. Mais ça je crois qu'il le compte pas en vrai. Là ça m'aurait compté comme un... Enfin là j'ai pas eu le grade parce qu'on est hors ligne, mais... Tant que t'es pas détecté, je crois que c'est... T'as un bon score. Je parle de scénario. Pardon. Pardonnez. Oh, pardon. You still don't trust her. I don't like executive decisions. Les décideurs. Ça passe, hein, les décideurs. Aux ordres. Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, she'll make it right. Hey, les singes là, il faut que vous m'expliquiez pourquoi vous dites Margot là. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Les singes. Mais non, mais ils sont tous en train de faire Margot. Genre, ils expliquent pas, ils m'énervent. Il y a eu un raid? Peut-être en vrai, mais j'aimerais bien le savoir s'il y en a eu un. Ah, alors apparemment c'est parce que quelqu'un a dit je t'aime Margot et tout le monde a suivi. Ah, c'est tout? Ok, ça va. Comme ça, ça va, c'est drôle. C'est effectivement des animaux. Ça me fait rire. Ils sont bêtes. C'est que de l'amour. Attends. Tu feras un résumé? Elle est pas en train de parler aux méchants là, Diane? Excusez-moi. Diane, elle est pas en train de parler aux méchants là? Ok, vous êtes ingérable. C'est intéressant. Mais je crois que Diane, elle est en train de parler aux méchants. Qui est Diane? Bah elle est censée être avec nous, c'est celle qui donne l'émission et tout là. En tout cas, non. Le mec avait une voix de méchant. Non, parce qu'en fait dans Hitman 3 on n'est plus au sol de l'entreprise qui nous a créé. Et Diane, mais on bosse avec Diane. Elle fait... Pas sûr, on bossait certainement avant avec Diane. Ou on bossait avec Margot. N'en rajoute pas, ils sont complètement... Carlyle's lost an empire.
fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. Oh, ça, c'est Diane. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late patriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. N'importe quoi. Ça fait un vieux bruit de tôle. Ça aurait été moi si j'avais pété contre une plaque de tôle. Il y a pas de honte. Tough as nails and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house. Meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. Wow. La map, on dirait un peu l'avant-dernier de James Bond. Talk about poetic. Ah ouais. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Y a juste à la buter ? Eh ben ça va peut être compliqué. Je vais lancer un petit couteau de lancer du jardin. En vrai, y a même pas besoin. Je veux dire, on attend encore, je pense, une semaine et c'est bon, c'est fait. La nature va s'en charger. Ça c'est méchant. Putain. Ça c'est c'est sombre ça. Ça c'est. C'est vraiment un méchant quoi. Noir, ça vraiment. C'est vraiment noir. Putain. Oh, alors là. Préparation pas. Oh, cette fois-ci j'ai un pistolet. J'ai des pièces de monnaie. Mais okay. Là, est-ce que tu dois... Là, on serait peut-être sur de l'infiltration pure et dure, et pas du camouflage. Peut-être que là, tu dois pas te faire repérer... J'aimerais bien. ...être caché. Ça se trouve, hein. Je sais pas, vu qu'il te donne un flingue. Ah, y a une vraie enquête à la Sherlock dans cette mission. Stylé. On apprécie. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The revenant Alexa Carlyle and her three adult children... Younger brother Zachary, la revenante. Même eux, ils sont vénères avec la momie, comme on l'appelle. Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top notch. Ouais, donc on sait, ils savent déjà qu'on est là, donc c'est pour ça. Ok. Mais on peut quand même se déguiser, peut-être. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Bah écoutez, d'accord, on va voir. Ah ouais, il est pas de loin là. Bah, on aurait pu. C'est vrai que la moto fait du bruit, mais bon. Ah non, d'accord. Oh ouais. Oh les perspectives. J'avais pas vu que c'était à droite. Ouais, non, en fait. Je croyais que c'était le petit truc à gauche. C'est le truc de merde là. Ouais, moi non plus, j'avais pas vu. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment. Non mais tu... Ils sont au courant que t'es là hein. Non, je suis pas là. Ah non mais moi je croyais que tout allait bien. Moi aussi. Je croyais que j'étais attendu, tu vois. The famous private investigator hired by Madame Carla this morning. Ah c'est stylé, il y a vraiment une histoire d'enquête. Ok. Bah ouais, c'est pour ça que je voulais me présenter. Et du coup, maintenant, sinon, on veut passer. Élucider l'affaire. Un célèbre détective privé. Hein. Vous pourrez prendre son identité. Ah ouais, ça va être excellent, ça. Eh oui, tu. Oh, putain, tu mets une enquête à sa place. Oh, oui. C'est trop bien. C'est trop stylé. Bah, poupou, les gardes là. Et voilà. Oh, il y avait une autre garde. Eh hey, hey, vous. Attendez. Malaise.
Oh. Oh, word. Ok. Bon, bah, on va recommencer. Bon. Bon. Bon, du coup, il y a deux gardes. Il faudra qu'on se déguise en un des deux. Bon, bref. Bon, pas de poupède. On passera à droite. Je suis l'intrigue et. C'est une foulère. T'es trop gourmand. On entend déjà tout. Pourquoi tu veux aller vraiment tout près? Parce que je suis vicieux là. Après, il y a deux gardes là. Pour prendre l'apparence du mec, j'aurais préféré me déguiser en un garde directement, tu vois. Oui, mais continue à droite, longe le mur. Ça se trouve. Bah oui, là je peux rentrer, mais bon, ça reste. Et bah voilà. Dans tous les cas, tu vas devoir t'infiltrer. Comment on va se taper lui? Oh, oh, popo. Allez, Popol, vas-y, par là. Putain, j'en suis réduit à faire ça. J'aurais pu arriver avec toute ma dignité en habit de garde. Regarde, c'est. Putain. Ah non, mais il y a trop de monde, ouais. Non, mais là, regarde là, petit muret. Allez, hop. Putain. Oui, tu aurais pu être le jardinier. Oh, le labyrinthe. Oh, vous voudriez pas vous perdre un peu dans les jardins avant d'entrer? Il y a trop de flics. T'étais foutu. Ouais, j'avoue, il y en a partout. C'est pour ça que je voulais me déguiser en fait. Ouais, mais comment t'aurais fait pour te déguiser? T'aurais du poupède encore. Oui, j'aurais piou-piou au début. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please do. If you'd follow me. J'avais pas vu! Pourquoi tu t'es caché dans la fougère? Excuse me! Excuse me! Putain. Dis que tu es le jardinier. Je veux pas être repéré. Je suis le jardinier. Ouais, bon. Je vais piou-piou pour avoir les costumes. T'es sûr, hein? Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. Apparemment, hors ligne, ça sauvegarde même pas ma progression. Alexa Carlyle and her three adult children. Ah ouais. C'est assez énorme. Je vais peut-être me reloguer, tu vois. Plus tard. Non mais plus tard, tu comprends bien le problème. Ah, tu veux dire que ça te va pas de faire de sauvegarde auto? Je sais pas. Monsieur. Bon, j'en sais rien. Bref, tant pis, je m'en fous. De toute façon, je vais y refaire. Bon. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Que dit une soupe de légumes qui tombe par terre? Pfiou! Pfiou! Vas-y, tu vas te faire choper. Non. Ok, lui il est peut-être caché, mais l'autre, comment tu vas faire? Tout va bien. Et donc là, d'après toi, tu vas pouvoir marcher au milieu d'eux. Moi, je serai toi là, je sauvegarderai un coup. Franchement, je suis en pleine confiance, vraiment. Je suis genre. Ah bah, sauvegarde pas alors, si t'es en pleine confiance. Pourquoi il... Parce qu'il me connaît, il sait, il connaît les gardes. Mais ceux d'après, ils se connaissent pas. C'est un. Bon, déjà, tu vois, je suis un peu plus tranquille. Je vais mouiller mes chaussures, mais à part ça. Ah. C'est rien, ouais. Vous me connaissez pas. T'es censé te comporter normalement. Je suis normal. Voilà, plus personne me connaît ici. Ah, toi, tu connaissais le mec. C'est un pote. Oh, by the way, I told Kate about those texts. What did she say? Ouais. Oh, mais tu peux les suivre, hein, techniquement. Non, mais lui, là... Juste fait le tour. Lui là, il va. Il faut pas qu'il me voit lui.
I guess I thought she was gonna read into them and freak out. Say I must have done so. I just need to check. Ah ouais, mais attends, ils vont nous fouiller aussi, même si on est de la sécurité. Est-ce que ces gardes ont des pistolets? Quoi? Parce que moi j'ai un pistolet. Non mais d'accord, mais tu vas. Il va pas me fouiller. Non, t'es de la sécurité. Ah non. Non, c'est mort. Eh bien. Tu trouves une autre entrée. Moi j'adore les fenêtres. Gouttière. Notamment. Gouttière fenêtre. Gouttière, voilà. Allez hop. Oh bah quand même c'était un peu clutch hein. Ouais, s'il y avait du monde. Ah, personne me voit. Voilà. Oh là là. Ouais, par contre je sais pas s'il y a des mecs de la sécurité habillés comme ça dans le manoir. Il faut vite que je me déguise hein. Ah je pense vraiment pas. Non, personne ne m'aime ici, personne ne m'aime. Tu vas te déguiser comment? Ils sont tous en train de draguer des dames. Bon. Il y a une petite vibe à couteau tiré. Oui. Ah, un billard. Alors on veut se faire un billard. Faut que t'arrives à choper l'apparence. Mais attends. Si l'inspecteur il va voir la meuf, on est foutu. Elle est quand même pas. Ah, oh, quoi qu'elle a quand même 90 balais, t'as pas la différence entre toi et le mec qu'elle a vu précédemment. Je suis un caméléon. Je vais activer l'aspirateur. Quelqu'un va venir. En vrai, je fais ça, non? Non, par, mais contre, non. Par contre, si c'est il y a trop de monde là, il y a la pièce principale, c'est mort. Par contre, si c'est une meuf, je vais devoir prendre un habit de meuf. Non, mais tu peux pas, il y a trop de monde, tu vas pas t'en occuper. Bah là, si quelqu'un vient ici, je peux le tuer sans problème. Oui, mais ça, pourquoi c'est l'inspecteur qui viendrait? Ah non, mais je veux pas que ce soit l'inspecteur, je veux n'importe qui, tu vois, juste pour pouvoir me déplacer. Ok, vas-y. Je vais juste save, parce que voilà. Voilà, lui c'est parfait. Oh non, pas lui. C'est le majordome. Je serai majordome. Oh, non, c'est bon. Putain. Je me suis dit, mais elle est con. Pas pistolet. Mais qu'est-ce que vous faites là? Attends. Qui m'a vu? Il y a des gens qui t'ont vu? Intrusion. En plus, lui, il... Ah ouais, non, là c'est mort. En plus, lui il avait pas de déguisement, donc vraiment ça sert à rien quoi. Bon, on va faire autre chose. Je pense que j'ai pas fait l'entrée la plus facile en tout cas. On va suivre hein. On va se déguiser en lui, mais on va voir où il va. Ouais, je pense qu'il va aller dans une salle au final et... Il va s'isoler et on va le... Ok. Mais je pense... Essaye de marcher normalement, ça se trouve t'es pas... Non, non, les points blancs c'est sûr que je suis repéré. Points blancs c'est... Ouais. Sûr. Regarde, t'as vu? Direct. Mais c'est pas parce que t'es accroupi que du coup il est intrigué? Comme oh la fille qui t'avait dit ouais pourquoi t'es... Oh non. Oh là non. Hein, tu vois, même debout il a pas kiffé. Ouais, tu peux te cacher toi-même dans le truc, je crois. Hop là. Ah, c'est bon. Alors. Oh, c'est bon ça. Oh, monsieur. Oh, c'est bon. Oh, ça tourne. Ah, non. Il y a le majordome. Ah, ouais, il y a le majordome. Putain. Attention, une fois. Il fait trop chier le majordome. Attends un peu, on verra où ils vont aller. Comment c'est déjà faire des conclusions? Du cuir brûlé. Je retiens l'info. And
Oh, oh putain. Allez, hop. C'était vraiment couillu. Oh merde, il y a du monde encore. Non mais putain. Faut que je trouve quelqu'un. Faut que je trouve quelqu'un d'isolé, une pauvre âme. Qui n'a rien demandé. Ça va être dur hein. Faut un garde. Batterie de voiture. Je pense que tu vas en foot, mais bon. Moi non plus. Oh, monsieur. Non. Eh, personne me suspecte ici. Ah bah, t'es de la sécu, donc Oh putain, le plateau de fromage au la barbac. C'est beau hein, ce qui se passe ici quand même. Hein. Eh, elle, elle est très occupée quand même. Hein. Oh, mais lui, est-ce mais qu'il voit lui? En vrai, ça va vite. Hein. Il est occupé, le monsieur. Hein. Putain, j'ai envie de le tenter, ça. Mais prends pas la batterie. Mais t'es un malade. Il a pris la batterie. Ah, il a pris la batterie. Quel dommage. Bon, de toute façon, j'aime pas ce qui se passe. Il nous faut... Il faut une personne, là. Putain, je veux juste... Je veux juste me déguiser, moi. Soubrette. Bah, tu vois, je pense que ça fera pas trop le taf. Il faut un garde, en fait. Après tout, ouais. On peut essayer. C'est gratos. Coûte pour plus cher, hein. On peut pas. Ah. Dommage. Y'a rien. Non, non. Y'a rien. Vous êtes trompé. Je range les manteaux. Oh, elle est pas consciente. Bon, alors, y a une zone que j'ai pas vue et que j'aimerais bien voir. C'était. Oh là non. Plus. Ce qui serait idéal, c'est que quelqu'un aille aux toilettes. Ouais, mais y a pas un truc à qui attirer. Une fuite. Ok. Une fuite. Vas-y, fais déborder, hein. Et. Non. Bah les deux. Je voudrais faire les deux. What? Ok, c'est un garde ça. Toki et tout. Parfait ça. Attendons un peu. Oui. Et... Le plan parfait. Ferme la porte derrière toi. T'as rien vu. Ah, par contre, c'est bien fait, tu voyais dans le miroir. Ouais, il m'a vu dans le miroir, c'était très bien fait. Ok, maintenant on est garde du corps. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense que ça va beaucoup nous aider. Par contre, faut arrêter de faire déborder l'eau là. C'est dégueulasse. Oh, pardon. Et, et puis ça attire les gens. Y'a plus de place. Il vient voir le. Y'a plus de. Ah, mais je suis non, garde. C'est bon, t'es un garde. Non. Bah ouais, mais t'as vu. Non, il est soupçonneux. Non, juste, c'est bon, j'ai résolu la... Quoi? Tu... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est malaise. Il y a vraiment une scène de malaise. Arrestation. Ah. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir fait déborder les éviers. Ouais, faudra couper l'eau juste après. Putain, c'est vraiment des bâtards. C'est incroyable. J'ai juste... 23h19. Ouais, non. On est plus près avec ça. J'ai juste fait déborder les éviers. Et faisant déborder un seul, en fait, ça suffira. Et tu sais quoi? T'as raison de te cacher dans le placard. Attends juste de l'autre côté de la porte. Ouais. Comme ça, dès qu'il arrive, hop. Tu fermes la porte, tu coupes l'évier, tu t'habilles, tu le caches.
dans 3 secondes. Malaise. Ah, en plus il a coupé le l'évier, donc c'est parfait. Ah, c'est pratique ça. Merci monsieur. Bah, tu vois. Vous avez été très utile. Je prends votre pistolet et voilà. Non. Bon, s'il vous plaît. Rentre là-dedans. Parfait. Et une save ici, ce sera parfait. Bon, alors est-ce que là maintenant on peut accéder? Attention, t'as un pistolet dans les mains. Qui se met à couvert direct. Attends, je veux pas ce pistolet d'ailleurs. I. Voilà, on va éviter les bêtises. Bonjour à tous. Est-ce que t'es recherché? Ouais. Bon, on dirait que c'est bon. Personne m'en veut. Oh là. Ah, ouais. On se connaît dans le personnel. Ouais, c'est le majordome, en fait, il connaît tout le monde. Ah ouais, c'est, ouais, c'est grave possible. Alors, où est... Il est là-bas. Ça va bien se passer. Le majordome avait une odeur de cuir brûlé. C'est le majordome. Bonjour. Attends, suis son début d'enquête parce que... À tous les coups, il sait quelque chose. Oh. Ok. Ah, dommage. Ok. Oh, attends. Va voir les autres trucs. En fait, tu peux lui faire faire un truc, je pense. Dis-toi qu'il va bouger dans la pièce. Là, tu pouvais empoisonner. D'accord, je pouvais faire un truc. Donc, fouille un autre objet. Ouais, un objet. Ouais, celui-là. Bah, là, j'ai pas de poison, quoi. Ah merde, et l'autre, c'est quoi? C'est full bouffe, je crois. Prendre la boîte à cigares. Ça, c'est pour assommer, je crois. You have strong feelings for Thornbridge Manor. I beg your pardon. An unusual connection to the place. Even though you mec un peu curieux quand même. Bah non, mais il est enquêté, il a le droit. Non, mais moi. Ah moi, je suis pas très bien placé pour être ici. What are you insinuating? Just an observation. On va aller voir les autres pièces, notamment, je sais pas, les toilettes, une chambre, un balcon. Tu lui dis dans l'oreille, vous devriez aller voir les toilettes, j'ai entendu qu'il y avait un indice. Attends que tu croises pas le majordome. Attends, il prend des notes. Qu'est-ce qu'il prend comme note? Vous prenez quoi comme note? Oh. Oh, c'est non mais ne pousse pas. Bien vu ça de venir ici. Je vais directement le... Non, non. C'est un malade, mais c'est un malade. Et tu vas le cacher où? Crime repéré, c'est mort. Ah, ça se tentait. Ah. Allez, là. Bon, du coup, faut attendre qu'il fasse tout son truc. Faut juste attendre qu'il soit isolé, vous pensez? Pas forcément. Là, maintenant, regarde. Ah non, t'as pas... Va vers la cloche directement. Comme ça, il y aura peut-être un truc à faire vu qu'il n'y a pas de poison. Ouais. Alors là, par contre, c'était culotté. J'étais... Quand je l'ai croisé, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Faut y aller. Trouver du poison. Bah, si on va, peut-être dans la cuisine, on peut trouver de la morora. C'était où la cuisine? J'aurais quand même aimé savoir ce que fait cette maudite cloche. Ouais, mais la cloche en vrai. Bah, tu vas pas tuer quelqu'un avec une cloche, non? C'est juste pour la sonner. Ah, sonnette du repas. Sonne-là. Je peux aller en cuisine vite fait, quoi. Bah, va en cuisine et puis. Mais je sais plus où c'était. Ouais, mais bon. Staff toilet. Non, mais c'était vers la gauche, donc t'es bon là normalement. Mais non, pas par là. Je pense vraiment que c'est. Ouais, contenu par là. Par là? Ouais, vers la gauche encore. Ouais, tu vois, c'est là. Y'a de l'équipement ici. Un sabre. C'est pas très discret. Ah, c'est de la morora ça. All he wanted to do was play his stupid video games, never any romance. I deserve sucre. Romance. I shouldn't gossip.
but that Emma woman is a tad too busy for my taste. Poisson. What is it? Un coup près. On a déclenché une fuite de gaz. Oh ouais, non mais c'est dangereux ça. Ok. Bon, j'ai de la mort aura. Retournons. Ah tiens, prends le fusil. Bon, on sait jamais. Après, il rentre pas dans mon inventaire. Ah merde, bah lâche le fusible. Ne me demandez pas pourquoi j'ai le fusible dans la main. Ah non, ça marche. Ah mais du coup, la mort aura, il va plus en avoir besoin parce que là, il est déjà passé. Donc attends, est-ce qu'il va boire un truc ici? Au pire, on l'utilisera pour Alexa, on va voir. Attends, je crois qu'il y a un truc, il y a un verre. Ouais, mais... Ouais, là. Est-ce que... tu vois... Moi, je la mets. Je le mets directement. Il va le goûter. Ou alors c'est pas du tout la bonne cible qui va le goûter. Et c'est de mettre au téléphone qui va se retourner, qui va prendre un verre. Je pense qu'il y a moyen que ça parte en couille. En plus ah il ouais, va même pas ici. Il va pas là. Ici putain. Bon bah tant pis. Oh, j'avais une sauvegarde juste ici en plus. Ah la tuile. Petite balade dans les jardins. Briser la corne de lit. Wow. Qu'est-ce que ça va faire? Ça te donne ça va te faire un pic pour... Ah bon. So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be... Eh ben voilà, on a le fusible. J'ai le fusible. Eh ben c'est bon, allez. Eh bien allons-y, j'ai un fusible. Attends, on vient de le récupérer quoi. Pas de fusible. On l'a vraiment? Ouais, on l'a. Bah, moi j'aimerais le mettre. Monsieur, j'ai votre fusible. On doit peut-être le mettre discrètement. Déguisez-vous en photographe. Ah! J'aimerais bien. On va tirer ce compte photographe. Ok. C'est bien un fusible. Ouais. I guess we could do that. Good. I'll finish setting up and then we'll grab the fuse just before you call down the family. Good. Yeah. On va te suivre. That's a good plan. Salut. Mais il te reluque de ouf hein. Ouais, il m'a reluqué hein. Alors. Oh, il va aller dans les labyrinthes. Ah non. Quasiment avec le buté. Tu sauras pas où le cacher, donc le pas maintenant. Oh. Ouais, non, il y a de la visibilité, j'ai l'impression là. Hein. Insérer le fusible. Ah, bah c'est là qu'il fallait le mettre. C'est là qu'il faudra le mettre. C'est là qu'il faudra le mettre. Mais d'abord. Such a bunch of old junk. Must be 100 years old at least. I don't know how. Bah ouais, mais alors là. I can see the pores in your skin. Toi, si je te... Lui, je pense qu'il faut que je m'en débarrasse. Tu peux. Et ça, tu te fous dans la boîte. Ça va m'aider. Ouais. Parce que lui, si là, il avait pas été là, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Et si j'étais là, vous seriez-vous? Vous seriez-vous là? Non. Y'a rien. Ouais. Y'a rien du tout. C'est nickel. En vrai, y'a rien. Par contre, tu pourras en mettre deux. Est-ce qu'on peut en mettre deux dans les boîtes? Je dirais oui à la place. Regarde, oui, puisque je peux entrer avec lui. C'est dégueulasse. Eh ben voilà. Bon, par contre, vous faites pas trop les malins, parce que sinon vous allez dans la boîte aussi. Le flingue par terre, tu le laisses? Non, je pense qu'il vaut mieux pas. Hein. S'il prend peur, parce qu'il voit une arme par terre... Mais comment on va le faire revenir le photographe là? Voilà, il refait la même chose. Et là, il est là, con, il avait pas compris qu'il avait pas réparé le problème. Je vais voir si maintenant il y a un fusible. Ah, toujours pas de fusible.
J'arrive. C'est dingue. Ici, on sera safe. Vas-y, bah tu l'attends et dès qu'il est de dos, quick. Vous avez des pièces. Oui. Ah, c'est vrai que les pièces, on les utilise pas. Pourquoi se faire chier avec des pièces? Je suis très peu dépensier. Je pourrais m'acheter un truc après la mission au moins. Voilà, faire très gaffe. En espérant que il y ait de la place pour deux. Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Nickel. Voilà. Je suis photographe. Alimenter des flashs. Je refuse de croire que les gens sont assez cons pour se dire « Oui, c'est la même personne à qui je viens de parler il y a une minute. » Ouais, c'est... voilà. Ouf. Qu'est-ce que ça nous fait de... Vous n'êtes pas à votre avantage. Comme photo. Bah, ça va se dérouler sans accroc. Ah, ils vont faire une photo de famille, c'est nous qui allons prendre la photo. Ouais, je pense que, tu vois, je pense qu'il y a peu de joueurs qui ont fait cette intrigue du fusible là. Intrigue terminée. Et maintenant, guidez-moi, qu'est-ce que je fais? Attends, mais s'il vous plaît. Je vais quoi? Je vais l'acheter dans la fontaine. Oh, 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 tournevis. Oh non, oh non. Oh non, va, non, oh non, 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 vite, un tournevis. Ils vont tous venir, ils vont tous venir. Oh non. Ils arrivent tous. Oh, il fallait préparer ils la scène. Ils arrivent tous. Oh non. Oh. Vous pouvez pas le deviner? Oh non. Un tournevis, c'est dans non, la maintenance non. Oh merde, t'es photographe, t'es pas un garde. Oh, j'ai pas de tournevis. Tire dessus. Trop tard, regarde, regarde, y'a toute la putain de famille. Mais on aurait électrocuté toute la famille là. Mais oui, ça aurait été trop marrant. Retire le fusible. Oh, fais le tour tout le monde, rien à foutre. allez, Wistiti. Attends, parce que je me dis comment on va faire. Ça se trouve là, ça va rien faire. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? T'as trafiqué la prise électrique là où tout le monde va se poser. Il y a une fontaine derrière. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est bon ce que je viens de faire. Créer une fuite. Quand tu fais contrôle sur la fontaine, il y a un truc. Ouais, voilà, c'est ça que je me dis. Non, 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 je suis pas en train de faire ça. Non, non, j'ai rien fait. Oh, elle est collante. Non, je suis recherché. Ok, on peut le faire, mais il faut faire ça mieux. Oh, oh non. Non, si. Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça, ok, on fait bien, on fait bien. On fait ça bien, sans aucun problème. On crée une fuite d'eau. Premier, petit A. Ça dérange personne là, non? Voilà. Vous, dégagez là. Bah, vous, ça vous dérange pas là ce qui se passe? Petit B. Oh, pardon, en vrai, je voulais pas. Alors, c'était qu'un photographe, hein, à la base de mec. Oh, je suis vraiment confus, quoi. Je suis vraiment confus. Ok. Nickel. Toi, je prends une photo et puis tu dégages. Et dès qu'elle est en train d'appeler les gens, tu sabotes la prise. Voilà, magnifique. Allez, Zou, super photo. Allez, allez le dire à tout le monde là. Mais là, le premier qui pose ses pieds dedans, il meurt. Voilà, reculez pas. Attends. Et la prise électrique, la source d'alimentation, c'est, on est sûr qu'il y a de la, y a du courant parce que les lumières sont pas allumées. C'est ça qui m'inquiète un peu. Les lights sont pas allumées, comme si
Il n'y avait pas de courant. Alors vérifie que le fil électrique. C'est les flashs qui déclenchent. Et les flashs ils sont reliés à l'appareil photo ? Pas du tout, non, pas du tout. Bah là c'est sans fil en tout cas, hein, si c'est relié. C'est... On est sûr qu'il y a du courant ? Ouais, ouais, il y a du courant, ouais, du courant en termes de fusible. Ouais, hein. Ah, mais t'aurais vraiment pu enlever le fusible par contre. Vous pouvez reprendre. Ouais. Bah du coup, attends. T'attends que... Mais enlève le fusible et dès que tout le monde est installé pour la photo, tu remets ? Sinon, ça va pas marcher ? Le flash déclenche. Les gens disent que le flash déclenche. Ah, d'accord. Dans... Bon, normalement, c'est bon. Mais je comprends ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'adore. Je n'accepte pas, mais je comprends. J'adore ça. Tu vas réparer quoi, là ? Attends, pourquoi j'en aurais eu besoin ? Ils me font peur. Non, c'est bon, je pense. Ok. Elle arrive. Elle arrive ! Yes ! Non, mais attends, mais là, ça va être magique. On va ça va être énorme. Famille. Et puis, ce sera même pas ma faute. Un peu, mais... C'est complètement toi qui as créé tout. Hein. Mais attends... Quoi ? On n'avait pas besoin de se déguiser en photographe. On aurait pu faire tout. En fait, le photographe aurait pu faire le meurtre lui-même. Oui. Ça aurait été incroyable. Mais bon. Je vais pas relancer, mais... Save, si vous voulez. Ah, madame. Vous ne voulez pas plutôt discuter de ça autour d'une bonne photo ? Ouais. Bien plus près de la fontaine, madame. Madame, j'aimerais que vous mettiez... La doyenne, elle va se mettre sur la chaise, c'est sûr, c'est une chaise électrique. La chaise en ferraille. Elle va s'asseoir. Oh, c'est nickel. C'est sûr. Allez-y, madame, bien au centre. On en finisse. Oh, la belle photo de famille. Tu vas prendre la photo au moment où elle est électrocutée. Elle, attends, elle se plaint parce que c'est y a une fuite. Ok, c'est bon. Elle rouspète, mais... Oh. Attention. On me regarde. Où est-ce que t'étais ? Regardez la caméra au moins, là. Oh, regardez, là. C'est bon ? Cheese. Yes. Hop là. Je m'en vais. J'ai rien fait. Oh excellent putain. Ah maintenant faut quand même trouver le dossier. Le dossier, oui. On va trouver quelqu'un d'autre. Bah l'inspecteur hein. J'ai laissé des vêtements là. Recherche. C'est moi qui recherche ? Bon, vite, faut qu'on change de. Pourquoi il te recherche toi ? Je sais pas, mais je n'existe plus. Mon dieu, mais qui a fait ça ? Il se rappelle un peu de ma tête apparemment. Comment ça se fait qu'il te recherche ? Je pense qu'ils ont retenu la tête du photographe. Et pourtant, on avait un super déguisement. Ouais, on avait quand même un bonnet. Ce dossier, je le verrai du coup à l'étage, parce qu'elle était à l'étage. Moi, je le verrai dans le bureau de madame. Ouais. Et madame n'y est plus. Messieurs. Ah d'accord, il recherche en... Ouais, par moi, il recherche juste. Pas toi spécifiquement. Juste okay. Ils sont sur qui vivent. Ah, ce serait... Est-ce que ce serait un étage ou plutôt le grenier ? Il est où, le bureau de madame ? Il doit pas être là, effectivement. Ah, peut-être que... Il y a moyen. Hein. Ah, attention, lui, il est pas pote avec toi. Oh, mais tu vraiment, mais faut que tu arrêtes, hein. Pardon, mais on dirait bien la chambre de madame. Oh, j'aurais bien aimé empoisonner son café, là.
La salle de bain de ma mère. Je pourrais te dire la salope pour la bosse de Big War. C'est quoi ça? Des notes. Une lettre. Pardon. Une lettre d'Alexa Carlessi à sa fille Rebecca qu'elle n'a jamais envoyée. On y dit que deux jetons en possession de Rebecca de Monsieur Fernby, le majordome, doivent être combinés dans le cas où Alexa venait à mourir. Ensemble, les jetons donnent accès à un coffre spécifique de la banque Milton Fitzpatrick à Londres. Ce coffre concernerait une copie du dossier sur Arthur Edwards. Donc le majordome, il est bien dans le coup du truc, mais... Effectivement. Est-ce qu'il est responsable, la chambre de madame. On ne pense pas. Oh. Ouais, bah, c'est marrant. Chambre... Bah oui, voilà. J'ai eu peur de ton propre reflet. Et moi, j'ai failli aller dans la pièce qui était juste mon reflet. Alors, c'est la chambre, ça? Ah, oui, ça te l'indique, regarde, 61 mètres. Ah. Oh bah. Attention, tu vas passer à côté de monsieur. Non. Mais non. Pourquoi t'as fait ça? Non, pas ça. Permettez. Pas devant elle, mais normalement. J'attends un petit peu. Non, c'est trop violent. Ok. Tu l'as quand même gardé sur toi, hein, dans ta veste. On n'est pas très à l'aise ici, hein. Oh, je lui ferai un coup de piou dans la tête. Il entend, hein. C'est complètement... Tu vas le traîner jusque dans l'armoire qui est tout au bout, là-bas. Et je nettoie le plancher. La serpillière. Et voilà. Voilà. Bouton mystérieux. Oh, 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 l'argent, on va se faire une petite prime. Oh, putain. Oh, oh, oh. Quoi? Objet manquant. C'était pas le fameux jeton par hasard? Non, il faut que les deux jetons combinés donnent un code. Mais donc. Cet objet là, il doit être pas loin. Pas forcément. T'as vu là où était le fusible pour l'appareil photo? Ça veut rien dire. Putain. Ça me dégoûte. Je vais essayer de trouver le truc, mais là je pense que. Regarde juste les objets qu'il y a ici. Oh, ça j'aime bien. Bon, on va aller chercher le... Bah le dossier quoi. Bah le dossier. Y'a aucun problème. Celui-là c'est bon, il est pas hostile. Tu peux y aller. Du coup, le dossier, on avait une icône, on l'a plus. Ah, ça nous indiquait globalement où c'était, mais je sais pas si ça veut vraiment nous aider au point de nous dire où c'est exactement. Il a trouvé l'arme. Ah. Ok. Mais s'ils analysent l'arme, ils verront qu'elle appartient à un des gardes. Et que c'est peut-être le garde qui a fait le coup. Et qui s'est barré. Please stay back. Putain. Je sais pas où est le... Je sais pas où est le dossier. Ils ont quoi. Déjà tous oublié la mort de la doyenne. Oui, c'est une journée normale. Ils reprennent leur discussion. Ah, l'heure de manger. Oh, on arrête tout. Attends. Non, c'est pas ça que je veux. C'est la fille. Attends. De Rebecca qui a l'autre jeton. Ok. On a dit si tu trouves Rebecca le majordome, tu fais le jeton.
Bah, le majordome, on l'a. Par contre, son jeton, on l'a pas. Devrait-on le tuer pour l'avoir? Peut-être. Ça vaut cher, ça, non? Ça vaut extrêmement cher si c'est de l'artiste russe, mais il y en a quelques-uns dans le monde. Je ne pense pas que ce soit un originel. Il est à moi maintenant. Oh. Ah! C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette merde? Oh là là, il se passe des trucs ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vient pas de trouver le fameux passage secret qu'on essayait d'ouvrir là? Attends, bah si c'est le bouton au sol. Oh merde! Oh! Attends! J'y retourne. Attends, du coup c'était pas un truc de ouf du tout? Mais c'était quoi comme pas pièce? Pas hyper bien caché. Intrusion, ouais, on a vraiment pas le droit d'être là. Hein. Bon, pourtant, bon, il doit y avoir une intrigue ici. Mais bon. Mais appuie sur le bouton et rentre dans la salle, ça, je trouve ça bizarre quand même que... Oh, ils veulent pas que je sois là. Hein. Ah ouais, mais attends, tu veux pas rentrer dans la salle et fouiller? Parce que je trouve ça bizarre. Quelle salle? Bah celle que tu appuies sur le bouton. C'est une entre-salle sur le bouton. C'est pas une sortie. Voilà, ici. Y'a rien à faire ici. Non, moi je pense que c'est un... Ah ben enfin, attends, si ça se trouve... Si. Espionner. Il y a une intrigue ici en fait, je pense que c'est une autre intrigue. Ouais. C'est à mon avis, tu amènes quelqu'un ici... Enfin, la personne rentre dans la pièce, tu la tues, tu ouvres ici, tu la caches dans le... Ouais. Ah, tu peux espionner aussi de l'autre côté. Ah, oh, mais en fait, tu peux espionner partout. Ouais, non, c'est très bien ici. Oh oui. Ok, ah, mais... j'aimerais quand même avoir ce dossier. Ah, si c'était la vieille qui devait là-dedans. Parce qu'on a fini là. On a fini et on veut juste un putain de dossier en fait. Et le dossier, ça. Et on l'a pas, sur la carte le dossier là. Non. C'est quand on était ici qu'on le voyait. Ouais, il était plus là-bas, ouais. Putain, mais c'est scandaleux. Et là, ils veulent plus nous donner d'indices. Fais chier. Ah, il est réapparu vite fait. Ah ouais. Ah oui, en bas. Ouais. Hein. Ouais. La corne. Quoi? Pourquoi vous parlez de la corne? La corne, Link. Mais ouais, putain, j'ai vu une corne sur un bureau et maintenant tout le monde m'emmerde avec la corne, genre vraiment. Alors, je peux... C'est au niveau 0. Ouais, bon, on va au rez-de-chaussée. Tout en haut à droite. Ok. Ok, on y est et par terre. Alors. Ah, on n'est pas encore en rez-de-chaussée. Faut descendre encore un coup. Ah, oui. Ok. On est. Ah putain, maintenant ça a disparu. Bon, de toute façon, c'était vers la droite. Derrière vers moi. La salle à manger, finalement. Oui. Oh, aïe aïe. Putain, des fois, c'est des screamers, je tombe sur eux comme ça d'un coup là. Bonjour. Bah, c'est par là, hein, dans tous les cas. Je cherchais un dossier et j'ai vu qu'il était par là. Et même plutôt là, non? Bah ouais, c'était plutôt vers ici. Ce serait bizarre qu'il soit là, quoi. C'est pour le livre qui est sur le fauteuil, parce qu'on peut pas le récupérer. C'est bizarre qu'il m'indique pas du tout où trouver le dossier en vrai, non? T'es peut-être censé le comprendre avec les indices en écoutant les dialogues des persos.
ça le chat? Je suis censé. Oula. Où est-ce qu'il va? Le singe. Je fais ses acrobaties parce que je sais plus quoi faire. À la poubelle? Pourquoi tu veux aller à la poubelle? A safe in Madame Carlyle's. Parce qu'ils l'ont jeté à la poubelle. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Un reçu pour la réparation, ok. Non, c'est pas le dossier en fait qu'à la poubelle. Dans le bureau d'Alexa. Oui, mais ça, ça va m'aider. Ouais. Faut aller dans le bureau d'Alexa. J'aimerais bien buter le majordome pour prendre son petit jeton. Bah, pour le jeton, ouais. Mais ils vont se poser des questions si on bute le majordome, non? Forcément. How's everything coming along, Elaine? Very well, Mr. Firstby. Make sure you focus on your work. I will. I don't need one to cry. Ouais, j'ai envie de le buter. Ouais, ouais, ouais. Yourself around you, Mr. Patrick. Don't worry about me. Là, vous allez vous arrêter là. Je trouvais que c'est une bonne chose. Ok. Ah, on revient. Putain, qu'est-ce qu'il est chiant ce majordome. Il va jamais être dans une pièce tout seul, lui. T'es bien payé, toi? C'est le moment de tenter. Ah, c'est lui qui va venir. Oh, quel connard. Mais tu vas arrêter là, c'est bon, ça brille. Qu'est-ce qu'il est chiant. L'aspirateur, ça avait bien marché. Oh. Ouais, mais j'ai l'impression que tu t'es fait repérer à cause de ça, il t'avait cramé. Mais vas-y, teste-le. Hein. Alors, je le fais à ta place. Tu vas pas lui faire coucou quand même. Si. Si, c'est ce que je vais faire. Il arrive le vieux. Oh, tu peux regarder un peu. Ça a plutôt bien marché cette histoire. Ça marche très très bien. Le jeton. Et la clé. Ouh. You need a pair and you gain access. Oh, je presque envie de le buter, vu qu'il est coupable. Mais bon, il sera puni pour ses crimes. Non, je pense pas qu'il soit coupable en vrai. Elle a eu confiance en lui, c'est tout. Je pense pas qu'il soit coupable du tout. Coupable. Et c'était qui l'autre? La Rebecca. La mais fille... comment on sait qui est Rebecca? Rebecca. R-E-B-2-C-T-E-R. Rebecca. Elle est dans le jardin, c'est à dire qu'elle est dans le jardin. C'est bon alors. Allez. Elle est morte par contre Rebecca. Ah non, c'est la vieille qui est morte. Non, Rebecca, c'est bon. Bon, la dernière fois qu'on l'a vue. Tu veux pas aller voir la scène dehors. De crime vite fait là, voir ce qui se passe. C'est quoi ça? Une pomme. Une balle de baseball. Oh putain. Voilà, on a laissé mamie ici. Non, parce que je la répare. C'est bon, c'est fixé, hein, voilà, si vous me demandez. Il s'est jamais rien passé. Donc Rebecca, elle peut être non. Ah. Vous êtes de la police. And right in front of me, the greenhouse. Mec, elle a toujours pas compris que l'important c'était le crime qui venait d'arriver. Une serre. Ah, Rebecca. C'est vrai qu'on a pas été dans la serre en fait, hein, alors que c'est un endroit où on peut aller. Hein. Non, on peut aller voir. Ça se trouve, Rebecca, elle est à la serre. Hein, ouais. Peut-être. Mais je pense que c'est. Eh, tu me l'as bouffé ton foie gras au fait? Non, pas encore. Oh, il est dans ma cuisine avec les petits toasts qui étaient avec. Tout est prêt. Ouais, je les ai pas mangés les toasts, je me suis fait ça avec une baguette. Tout est prêt.
Mais quand ça va y aller, ça va y aller. Bah, au bout d'un moment, je vais le déverrouiller avec un pied de biche. Hein. Bon bah voilà, on déverrouille. Ah oui, il y a que le dégât quoi. Non, wow, bah non, wow, je l'ai pas wow, fait. Wow, non, non, je l'ai pas fait. Wow. Ah ouais, mais là c'est combat. C'est même plus ouais, combat, ouais, c'est combat là. C'est combat. 23h54, on avait fait quoi? T'as les clés. On avait fait majordome ou pas? T'as pas le choix de toute façon. Ouais, bon. De toute façon, c'était pas dur à faire. Je sais plus si on a fait le majordome à 54. Putain. Ah non. Bon, vas-y. Bah c'est juste là, c'est... Ça mange pas de pain. Vous avez tous aimé, on va le refaire. Et cette fois-ci, en le tuant. Vous avez voulu qu'on le tue, une première fois. On l'a pas fait, cette fois-ci, on va le tuer. Et en plus, ça marche pas. Merde. Ah ça y est. Oh, c'était quoi son boulot lui? Tu t'en fous ou quoi? C'est ton boulot. Vous voulez qu'on le tue comment? Coup de fer, coup de clé anglaise? Moi je vais lui mettre un coup de fer. Non mortel. Non mortel. Ah. Ça devrait l'éteindre. À sa place, j'aurais vu le meuble bouger un peu quand même. Aïe, 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 aïe. That's a token for a vault in the Milton Fitzpatrick London Bank. You need a pair, and you gain access no questions asked. I bet that's where Madame Carlyle keeps a copy of the Edwards file. Ouais, et c'est pour ça qu'on va trouver Rebecca. Rebecca. On pouvait pas se déguiser en majordome. Hello, sir. Rebecca, 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 Rebecca. Ce sera probablement au deuxième étage. Plumeau. Save, ouais. Rebecca. How are you? Vous êtes qui vous? Tiens, puis je vais vous prendre un abricot. Tu peux vraiment le pousser là? J'en non garde. Mais. Oh merde, quand retrouvé, bah c'est mort. Je m'en fous, j'ai aucun regret. J'ai aucun regret. T'avais oublié de prendre la clé et le jeton? Non. Non, il les a pris. T'as fait tac tac. C'est pas là-dedans, non, mais je sais ça que ça m'apparaît pris. Pas, mais je sais que je t'ai vu les prendre. J'ai t'as fait deux actions avant de prendre le cadavre. Clé du bureau de monsieur Fernsby. D'ailleurs, on va aller à son bureau pour commencer. Mais il est où son bureau? Et où est Rebecca? C'est fin ça, c'est fin. Où est-ce qu'on est? Ah, un ordinateur? C'est un portable de Zachary. Clic, 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 clic. Tiens, tiens. Celui-ci voulait s'acheter une paire de Wellington. Tiens donc. Pourquoi il voulait s'acheter une paire de Wellington hier? Lettre de suicide de Zachary. Ah, sombre, c'était ça donc l'enquête. Sombre famille. Je suis hanté par des choix abominables du passé et leurs conséquences dévorantes. Alexa a été le radeau qui m'a maintenu à flot. Je ne peux continuer sans elle. Adieu, Zachary. Ah. Il y a quelqu'un dans le lit? Oh merde, j'avais pas vu. Qui s'est suicidé? Vous êtes Zachary? Oui. Pardon. C'est lui qui s'est... Ah! C'est pour ça qu'on mène une enquête depuis le début. Qui est arrivé, il vient de comprendre. Ah! Ah d'accord! C'est vous qui êtes mort! Ouais. Attends, tu peux faire quoi avec le fauteuil? Oh, attends deux secondes. C'est un petit kink un peu bizarre à moi. The dead body.
of Zachary Carlyle. Alex. Mais attends, c'est comme ça qu'on pourra savoir qui est qui avec ton appareil photo. Victime juste, tu zoomes. Du poison d'une plante éphémère très rare autour de 22h hier soir. Plante éphémère très rare. Oui, effectivement, on peut peut-être scanner les gens. Attends, regarde le fauteuil qui est devant son lit là. Une interaction avec. Voilà. T'es vraiment dérangé hein, de vouloir t'asseoir ici. Voilà. Petite pause. Il vient de prendre une photo avec son appareil photo personnel d'un cadavre. Hein. Il me dit que je suis dérangé. Rebecca! T'es vraiment dérangé. Hein. Dérangé. Ça me dégoûte. Rebecca! Vous avez vu Rebecca? Arrête de me prendre en photo les gens maintenant. Ça ne mènera à rien ici. Si ce n'est une très belle vue. C'est magnifique. C'est tout ce que tu auras. L'Angleterre. C'est moche. Alors. Ouh, le beau vue. C'est beau. Pourrait tomber à tout moment. Bon, cependant. Vous êtes Rebecca ? Oh pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment la phrase des films. Personne dit ça dans la vraie vie. Il y a que du personnel et on dirait qu'ils sont barrés de la maison, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de personnel. C'est quoi le truc jaune qui clignote ? Ah non, c'était une interaction, on s'en fout. Je vais descendre, hein, je vois pas trop. Où est-ce que se cache cette pute ? La Rebecca là. Ouais, sympa. Bah merci, encore une fois. Hein. Et eux, c'est qui ? C'est le mec assis par... Ah, vas-y. Regarde la photo, c'est lui, c'est qui ? Pas ça. C'est un comptable ? Arrête de faire des... Fais des effets. Après, là, ils disent des trucs intéressants, non ? Ouais, écoute. What do you mean it doesn't exist? Right. I'll double check and get back to you. T'as déjà les deux jetons dans ton inventaire, mais non. Non. Qu'est-ce que vous dites là ? Mais non. Tu l'aurais récupéré où l'autre ? N'importe quoi. Bon d'accord. C'est quoi le truc qui dépasse ? Oh oui. Oh, vas-y. Ouais, mais ils vont. Ils vont pas t'engueuler parce que t'as tiré le livre. Si. Non. Tu vas voir. Tu tiens juste un livre. Le mur va juste se déplacer, c'est tout. Pourquoi il y a un point d'exclamation si ça dérange personne ? C'est quand même hallucinant. Oh les passes. Oh mais hey, c'est dégueulasse hein. C'est dégueulasse. Moi ce que je kiffe, c'est regarder des comptables comme ça. Oh putain, vas-y, pianote sur ton ordinateur là. Vas-y, mets les taxes là, mets les taxes putain. Tu mouilles pas la TVA, oh salaud. Attends, regarde dans les autres trous. Oh, c'est la salle de bain, ça, non? Oh putain. Oh, les peignons. Oh, les chiottes. Oh, c'est les chiottes. Oh, les chiottes propres, là. Pas quelqu'un qui veut faire caca, là. Oh putain. Sonne la cloche du dîner. C'est pas une si mauvaise idée en vrai. Bah en vrai, bah, Rebecca va venir hein, et tu sauras où elle va partir, hein, c'est une bonne idée. Ordinateur portable de Rebecca. Qu'est-ce qu'on sait maintenant ? L'ordinateur portable de Rebecca Carslis, trouvé dans la chambre où elle séjourne. D'après le journal d'activité, Rebecca était encore sur son téléphonique pendant plusieurs heures autour de 22h hier soir. Le même moment où Zachary voulait acheter ses chaussures. Du coup, ça dit innocente peut-être. Attends, mais il y avait quoi à faire avec le tableau ? Ça va ouvrir le passage secret, non ? Je viens d'un passage secret. Waouh ! Pourquoi il n'y a pas de petit trou pour regarder Rebecca ? Ah, merde ! Bon, Rebecca, va falloir revenir dans la chambre, là. C'est trop con, on a sa chambre, mais on sait pas où elle est. Bah, je moi, me suis je te dis... Fais sonner la cloche. Tout le monde va venir à table. Putain, tu crois ? Oui, bon, et tu sauras où est Rebecca et à quoi elle ressemble. On retient où est sa chambre.
Retiens-moi, je vais tout casser. Elle. Bon, on va sonner le dîner. Bon. Pas convaincu par l'idée. Pour moi, c'est un très bon plan. Tu sonnes le dîner, tout le monde vient manger, tu sais où est Rebecca. Et on aurait dû scanner qui était qui quand tes anges sont venus pour la photo de famille. C'est bien dommage. C'est qui, c'est Rebecca, ça? À la tête de Rebecca. Laissez-moi m'approcher. T'es Rebecca. C'est sûr, c'est Rebecca. C'est Rebecca, ça. Mais vous c'est êtes, Rebecca, vous êtes Rebecca. Là. Vous avez acheté ta des gueule, chaussures là. Ah non, c'est pas vous. Non, c'est okay. Pas. En plus, c'était des bottes, l'autre. Sa daronne vient de mourir, hein. Alors, rien à foutre. Appelle-la Rebecca. Elle va où? Oui, continue. Vous êtes bien occupé là-bas. Il va la voir, toi. Mmh. Non, il va la voir d'ici. Ah, mais... Pas de balcon? Non, c'est pas un balcon. Ah, mais attends, c'est loin là. Oh, on voit plus grand-chose ici. On voit plus grand-chose, hein. Oh, la truie. On voit rien, hein. Clé de la serre. Attends, clé? Fleur venimeuse. Oh! Oh! On a résolu! Elle a... C'est elle! C'était... Attends. Que faire? Que attends, faire? Attends, mais... attends, attends. Que faire? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais oh. Attendez! Non, non. Je peux tout expliquer! Je peux tout expliquer! Tu sais qui tu es, Zachary? Elle est coupable! Elle avait sur elle cette plante venimeuse que maintenant j'ai sur moi! Oh! Oh! On peut continuer. Tiens. Je peux continuer comme ça toute la journée. Tiens. Tiens. C'est toujours les mêmes coups. Tiens. 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 Non mais attends, attends. Moi je pense tiens. Que on n'est pas sûr. Moi ça peut être genre il voulait vraiment suicider et c'est elle qui l'a fourni. Ouais non mais non mais non. Non, 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 parce qu'il se serait fourni lui-même, je veux dire, pourquoi, voilà, pourquoi garder dessus C'est quand même... Donc, on n'a pas trouvé Rebecca, mais on a trouvé la grognasse qui a tué Zachary. C'était pas Rebecca, ça? Pensez que c'était pas Rebecca? Non, parce que si c'était Rebecca... Je refais. Parce que si c'était Rebecca, t'aurais trouvé le jeton. Mais, on a quand même trouvé l'assassin de Zachary. Ouais, dommage qu'on n'arrive pas à l'identifier. Et dommage qu'on ait tué la seule personne que ça intéresse de savoir qui est la meurtrière. C'est vrai. Je te rappelle que si l'enquête est menée, c'est parce qu'il y a une meuf qui a passé commande et on l'a tuée. Elle est plus là. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Merci Joyboy Coffee pour les 5 subs. Bah ouais, merci. Ça c'est sympa. Et sachez que si on remercie personne, on vous voit passer et on vous dit merci avec un grand cœur dans notre tête. C'est vrai, parce qu'il y a plein qu'on n'a pas vu là. Tiens, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Monsieur, c'est elle. Regardez, elle a pas de poche, mais pourtant. It is my husband's ancestral grounds. Of course I care, but... Arrêtez là, sinon je vous maîtrise. C'est elle. Attends, qu'est-ce qu'elle va dire? Rebecca, c'est vous? En fait, la photo, tu l'as prise vraiment par chance parce que je crois que tu peux pas scanner les gens en fait. Oh bah bravo, on identifie bien la personne. Bon, on a notre coupable ici, on a notre jeton ici. Tu crois que c'est le jeton ici? Je mettrai ma main à couper. Attention, parce que tu vas quand même pousser. Attention, parce que là, on part sur des attouchements. Donc, on va éviter. Alors, si je puis me permettre, vous me dérangez pour la suite des non, opérations. Mais pourquoi? Parce qu'elle passe par là, il n'y a personne ici. Du coup, on va pouvoir la tuer ici, tout simplement. Et puis, en plus, elle avait une tête qui me revenait pas. Qui c'est qui fait des selfies alors que sa grand-mère vient de mourir? C'est insolent, tu mériterais d'être maîtrisé. C'est obscène ce que vous faites. Pas moi, c'est pas moi.
Pourquoi je suis en mode appareil photo là? Bah t'as pris ton appareil photo. Oui mais c'était pas en mode appareil photo mais c'était un peu... Je vais te tuer avec une pagaie Maori. Maori. Rebecca. Rebecca. Je t'attends dans le couloir. A tout de suite. Attends, tu peux pas lui jeter une pièce de l'autre côté de la pièce? Tu vois, tu cherches la merde. J'ai un kill facile et... Bah non, parce qu'elle va traverser la salle alors que si elle va chercher la pièce. Pas le moment d'avoir un coup de téléphone, putain, on est occupé ici. Non, il y a trop de gens. Ne fais pas ça. Elle a raison, c'est oppressant. C'est vrai, elle a raison. Bon, elle repasse son coup de fil. Bon, Rebecca. On n'est pas encore sûr à 100% que ce soit Rebecca. Hein. Elle a fait combien de filles, la daronne? Oh non, vous nous dérangez. Vous ici. C'est la rousse, la coupable, allez, on interviewe. Occupez-vous de vos histoires, moi je m'occupe des miennes, moi je veux le coffre. Bon allez, t'as fini ton coup de téléphone, tu... Elle arrive. Lui, il est retourné, c'est parfait. Ok, attends, regarde. Oui, bah ouais. Mais de ce côté-ci, tu jettes la pièce du côté de l'armoire. Va-t'en. Alors, pas assez riche comme ça? Allez. Directement. Une alors, pièce je... Le jeton. C'est Rebecca. Le jeton. On a les deux jetons. Well done, 47. Oh, vous avez des interférences. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on vient de finir la mission déjà, donc on est trop fort. Mais ça veut dire qu'en fait on a fini la mission avant, alors qu'on n'a pas trouvé le bouquin, donc on a sauté ce passage-là. Non, mais en fait le dossier, ils ont dit qu'il était à la banque et qu'en fait pour aller à la banque il faut les jetons. Ah, donc okay. On faisait bien ce qu'il fallait. Par contre, elle. Attends. Cette connasse. Elle va pas s'en sortir comme non, ça. Non, non. Avant de partir, j'aimerais dire à tout le monde à dire. Que j'ai trouvé la coupable. Vous ne me retrouverez jamais. Dramatique. Vous ne me retrouverez jamais. Ya. non. Bon bah voilà. Et puis on a trouvé la coupable. Et n'oubliez pas que si vous voulez résoudre cette enquête ou trouver encore de nouvelles choses et voir les autres enquêtes, alors dans ce cas-là, cliquez sur le lien dans la description. Oh grâce oui. Au jeu Hitman 3 disponible sur l'Epic Game Store avec le code créateur Wonky qui vous offrira en plus de ça Hitman 1 gratuitement. C'est énorme. Messieurs, c'était une très belle journée. Oh, je sais même plus quelle sortie choisir. Celle où tu vas pas te faire repérer. Celle où il n'y a plus de garde. Parce que je les ai butés. Maintenant t'as toujours les deux qui sont à droite. Messieurs. Ouais c'est ça, vous êtes en dessous dans la hiérarchie donc vous fermez vos gueules. Il est haut hein. Quoi? Alors, j'ai trouvé mes jetons. Alors moi j'ai mes jetons, donc je m'en fous. C'est pas mon dos là. Hein. Allez hop, GG. C'était marrant. On a fait un peu tout n'importe comment, mais au final c'est beau. Je pense qu'on a bien un utilisé. Très bon score de mission. On s'est pas fait beaucoup guider, on a bien utilisé les renseignements qu'on avait. On a trouvé Rebecca, sans trop savoir si c'était elle. Ouais, bon, c'est un coup bon, poker. C'est peut-être elle. Et puis voilà. Nickel. En fait, c'est que d'avoir tellement de façons différentes de résoudre les missions. Ouais. C'était bien. Ok. Hop là.
On se retrouve dimanche pour normalement. Ah ouais, on va enfin pouvoir le faire. Enfin faire un petit concept Minecraft, donc vieux, donc venez, voilà. Venez. Voilà. Parce que vous le. On va être là dimanche. Hein. Vous le voulez, ça, vous le voulez. Eh bien venez. Ça fait longtemps qu'on veut le faire et là c'est bon. On peut enfin le faire dimanche. Yes. Donc à dimanche et bonne nuit. Au revoir. Salut.